bonjour. Yeah, il faudrait m'aider à partager sur. Aidez-moi à partager. Il faudrait partager au maximum sur vous. Il faudrait partager au maximum. On va essayer de faire même un truc un peu interactif pour parler principalement de 3 sujets. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Jean Blaise, merci. Au maximum. Merci pour les partages. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Merci. Partagez au maximum. Partagez au maximum, s'il vous plaît. On va faire une réflexion sur le chassement, parce qu'il y a depuis près d'une semaine la toile est en train de s'enflammer sur les différents sujets, sur l'histoire des émigrés, et je me suis donc proposé d'aborder ce sujet. Pour le chassement. Sur le chassement et sur les infiltrés. C'est quoi la théorie? Comment reconnaît-on réellement un infiltré? Et à quoi sert l'infiltré? L'infiltré, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et normalement, tout comme bon combattant devrait vivre avec les infiltrés. Devrait savoir qu'il y a les infiltrés. Et que eux-mêmes gagneraient à aller infiltrer l'autre camp. Donc c'est super important. Il faudrait, s'il vous plaît, faire un dernier tour de partage. Pour que je commence à entrer vraiment dans le détail du sujet. Il y aura le deuxième sujet qui va porter sur la sortie de Jean de Dieu Momo. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Et Et si c'est lui, pourquoi il fait cette sortie? Si c'est pas lui, pourquoi cette sortie est faite? Mais tenez-vous bien tranquille, il s'agit bien de Jean de Dieu Momo. Et je vais vous expliquer pourquoi il fait cette sortie. Et c'est une sortie pleine de ruses et de stratégie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il gagnerait à faire une telle sortie? Le dernier sujet que je vais évoquer, c'est un sujet qui portera sur la guerre au NOSO. Donc, déjà, paix à l'âme des gens qui meurent aux NOSO, aux civils et aux militaires. C'est bien triste, mais on va essayer de réfléchir sur qui tue réellement aux NOSO. Donc, s'il vous plaît, faites un dernier tour de partage. Oui. Merci pour votre présence. Moi, je vais commencer, mais il faudrait ne pas hésiter à partager énormément. Je vais vous partager avec, j'ai jugé utile de vous donner un modeste point de vue sur l'actualité du moment, qui est le sujet des infiltrés. Et à quoi ça sert? Et je vais rappeler un principe que j'avais déjà eu à faire, c'est-à-dire j'avais développé une théorie. Une théorie, c'est un peu trop dit. J'avais développé un principe qui était basé sur la règle de la révolution. C'est une règle comme celle-ci. C'est une règle de la révolution, c'est-à-dire comme un fil. Mais au fur et à mesure, il y a la partie, il y a les sardinats sont de ce côté, la droite, et les tontinats sont à gauche. Et au fur et à mesure, quand on prend n'importe lequel des combattants, on devrait être capable de le situer sur cette règle qui est la règle de la révolution. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la révolution finit ici. Et ceux qui sont ici, c'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire les sardinats les plus radicaux comme Atanga Nji, ben, c'est ces gens qui, d'après le premier principe que j'avais eu à faire, ben, ce sont ces gens qui ne vont jamais, ils vont rester jusqu'à la gare, parce que leur principe, c'est de mourir dans leur position, sur leur position. Et en aucun moment, en aucun jour, il ne pourra se diriger à gauche, c'est-à-dire essayer de revenir d'être tontinard. Non, Atanga Nji ne sera jamais un tontinard. Et ça voudrait dire que quoi? Et pour qu'il soit tontinard, il va falloir qu'il va le croire déjà. Hein? Non. Il va falloir qu'il traverse plein de monde. Il traverse les adversaires idéologiques. Donc, il risque, avant même d'arriver au milieu, lui-même sera mort. Donc Atanga Nji, parfois même par contrainte, par critères vaniteux, existentiels, il ne peut pas se risquer à changer. Donc, il est amené à rester où il est, c'est-à-dire à la position de l'extrême droite. Si on prend n'importe lequel des sardinats, ils vont se situer sur la moitié de la droite, de la révolution. Ils vont se situer sur la moitié de la droite. Et c'est comme ça qu'il y a des progressistes, des soi-disant progressistes du RDPC. Mais ces progressistes du RDPC, on peut les classer ici sur cette droite. Les progressistes du RDPC sera généralement toujours du côté droite, mais entre le milieu de la demi-droite et le milieu de toute la droite. Donc ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que ces progressistes potentiellement peuvent glisser jusqu'à jouer les équilibristes, c'est-à-dire au point milieu de la droite qui est celle-ci. Ça veut dire qu'à un moment donné, il sera facile pour eux de rester soit sardinat, soit tontinat. Et ça voudrait dire que quoi? Le même principe qui est utilisé pour le côté sardinat devrait être aussi utilisé du côté tontinat. Ça veut dire que quoi? Si je regarde la demi-droite du côté tontinat, la demi-droite du côté tontinat, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des extrémistes. Il y a des extrémistes qui sont très très à gauche. Par exemple, oui, les ambazoniens. Il y a les ambazoniens, et dans les ambazoniens même, il y a les progressistes. Il y a les gens qui sont un peu progressistes et souples. Mais il y a des ambazoniens qui sont radicaux. Ils sont radicaux et voient des anglophones des adversaires, alors que les francophones souffrent autant que les anglophones. Parce que le système qui est en place, c'est un système qui est prédateur et qui ne tient pas compte des origines linguistiques. Donc ça voudrait dire que quoi, par exemple, on pourrait citer par exemple Patrice Nganang. Patrice Nganang souvent qui a tendance à se retrouver plus à droite, plus à gauche. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il sera difficile pour lui, pour en principe. Je dis bien en principe, et je vais vous montrer que cette règle, ce principe va se frotter brutalement contre la réalité du moment, qui voudrait que quoi? Qui voudrait que qu'on commence à accuser, par exemple, Patrice Nganang dès que finalement un infiltré, dès que finalement un collabo. Est-ce que finalement cette règle, ce principe de la règle de la révolution tient le coup? On verra au cours de mon analyse, c'est dans 2-3 minutes. Donc, et où est Maurice Kamto? Où est le président Maurice Kamto? Où est Paul Biya? Mais Paul Biya est à l'extrême droite. Paul Biya, alors là, tenez-vous tranquille. Paul Biya, si ça s'amuse, il va quitter la règle. Parce que quand il quitte la règle, ça veut dire qu'il est prêt à détruire le Cameroun pour rester à sa position. Donc Paul Biya est vraiment de l'extrême de chez l'extrême. Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il est? Maurice Kamto, il est où? Il n'est pas à l'extrême gauche, non. Il n'est pas au plein milieu, non. Ça veut dire qu'il est progressiste, il est non. Il est quelque part au milieu, au milieu, c'est-à-dire à la première, je vais dire aux trois quarts. On va dire aux trois quarts. Il est à peu près aux trois quarts de la règle, de la longue droite de la révolution. Mais il est presque au milieu de la demi-droite des tontinards. De la demi-droite des tontinards. Il est presque au milieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il ne sera jamais, déjà un, il a dit qu'il ne prend pas les armes. Il ne va pas verser le sang des Camerounais. Ça veut dire qu'il est progressiste. Ça veut dire que ce n'est pas un ambosonien. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la lutte armée. Ce n'est pas quelqu'un qui va frontalement avec le risque de provoquer ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et c'est justement parfois ce que je reproche à la politique du MRC auquel je m'identifie. C'est-à-dire que le fait de penser qu'on pourrait aller avoir les omelettes sans casser les œufs. Donc ça veut dire que Maurice Kamto est quelque part. Heureusement que Maurice Kamto n'est pas seul dans le MRC. Il y a des courants qui sont très à droite, il y a des courants très à gauche. Ça voudrait dire que quelque part, il est conseillé par ces deux courants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va jouer, il sera obligé de jouer en fonction de l'évolution stratégique et de l'évolution politique du Cameroun. Il sera obligé de jouer entre ces deux philosophies. C'est-à-dire les gens qui sont plus à l'extrême gauche et parfois des gens qui sont plus ils sont à droite de la gauche du président Maurice Kamto. De la position gauche de Maurice Kamto. Donc, je peux quand même dormir tranquille de savoir que Maurice Kamto, à un moment donné, il sera obligé de prendre en considération l'aile droite de son parti qui voudrait aller frontalement et considérer ne serait-ce qu'une partie des dégâts collatéraux. Moi, j'avais déjà fait un exposé sur ce qu'on entendait par dégâts collatéraux. Je peux rapidement dire ce que c'est. En réalité, les dégâts collatéraux, c'est quoi? C'est la capacité à prévenir les dégâts dans son camp. Et parfois à le laisser arriver volontairement, à le prévoir, à le préméditer et aller en guerre en sachant qu'il y a une partie d'entre nous qui n'arriveront pas, traverseront pas la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. C'est souvent un terme militaire. Dans le jargon militaire, on appelle ça les tirs amis. Donc, c'est-à-dire la capacité d'aller en guerre et de savoir, hey, par exemple, dans la guerre du Vietnam, les Américains sont partis en guerre en sachant que 24% de leurs militaires devaient mourir. Ils sont partis en guerre. C'est comme ça ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. C'est-à-dire savoir qu'ils vous battent en guerre et ils peuvent être aussi bien tués des ennemis, mais eux-mêmes de leur propre bavure. Volontaire, mais sans choix, c'est-à-dire non pas de choix, de leur propre valeur volontaire, ils peuvent être amenés à tuer certaines personnes. C'est ce qu'on appelle les tirs amis, c'est-à-dire les dégâts collatéraux. Et si on va en guerre, il faudrait s'attendre toujours aux dégâts collatéraux. Donc, la notion de dégâts collatéraux ne peut pas échapper à la notion de guerre. Ça ne peut pas échapper à la notion de révolution, de chassement. Ça ne peut pas échapper. On ne va pas tous arriver. On ne va pas tous traverser la ligne d'arrivée. Et c'est de la responsabilité des leaders de savoir qu'il y a un prix à payer pour ce chassement. Oui, ceci dit, chaque personne, même dans le MRC, pourrait être classée sur cette longue droite de la révolution. Le MRC, globalement, ils sont dans la demi-droite, sur la demi-règle du côté gauche de la révolution. Donc, c'est la demi-règle gauche. Donc, ce sont les tontinages, généralement. Et dans ces tontinage, M. Maurice Kamto est au milieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire celui qui fait l'harmonie, qui fait l'unanimité, finalement. On l'appelle le point d'équilibre, le point d'ancrage, le leadership. C'est comme une cloche. C'est une cloche au bout duquel il y a de la pique et tout le monde vient s'agripper parce que c'est lui le mental. C'est un peu comme un mental, c'est généralement un bœuf, le bœuf tête, où tout le monde le suit de façon aveugle parce qu'il a toujours montré qu'il connaissait la route. Et il a toujours amené tous les bergers à la bonne source, à la source pour s'abreuver. Et c'est pour ça que Maurice Kamto, il est au milieu de la droite. Et finalement, il est le point d'équilibre. Ceci dit, cette droite va commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était un genre qu'on avait juré qu'il ne pouvait pas être désinfiltré. Par exemple, Patrice Nganang. Il va de soi que c'est un très très grand stratège. Il est vraiment super éduqué. Il sait ce qu'il fait. Mais il a un problème, parfois, le doublement de personnalité. Il écrit des livres, j'avais expliqué ça aussi dans des directs, un direct où il écrit des livres, c'est-à-dire cette capacité à s'incarner à des différents personnages de son livre peut parfois donner, laisser place à une certaine maladie. Donc parfois, on peut s'inspirer, on peut devenir ce qu'on écrit, Parfois, on devient le livre qu'on écrit. Parfois, c'est le livre qu'on écrit qui devient ce qu'on est. Donc, Patrice Nganang, finalement, il joue parfois de ses personnages, des livres qu'il écrit. Et finalement, il ne peut pas tirer de ces différents personnages sa propre personne. Il ne distingue plus sa propre personne. C'est pour ça qu'à un moment donné, il peut facilement tirer sur... et se positionner comme Tontina, il tire sur les Sardina. À un moment donné, il peut se positionner comme Sardina, il tire sur les Tontina. Donc, il est un monsieur ambivalent. Donc, moi, je ne pourrais pas le mettre exclusivement sur la notion de traîtrise. C'est que c'est faire une erreur. C'est aussi, c'est comme un guitariste, c'est-à-dire qui joue de la guitare. À un moment donné, ben, il aura une maladie qui sera liée à sa profession. Un informaticien, à un moment donné, il va porter des lunettes. Puis moi, j'en porte aussi. Parce que quoi? Parce qu'il y a une interaction, il y a une autodestruction dans la production de la valeur. Quand on produit une valeur, c'est-à-dire une entreprise, il faut détruire pour produire, il faut détruire pour transformer. Et donc, il va de soi que tout le monde est impacté par sa profession. Et M. Nganang doit aussi être impacté par sa profession quelque part. Donc, c'est pour dire que, anyway, cette règle, finalement, que j'avais conçue, j'avais planifiée pour savoir qui pouvait être les traîtres ou pas, parce que moi, je suis un fan, j'aime la stratégie. Et donc, moi, je m'étais amusé. À chaque fois qu'il y avait un combattant qui sortait du lot, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des idées, finalement, il s'est amusé à être très, très visible. Être influent, parce qu'il ne faut pas seulement être visible, mais il faut être influent. Il ne faut pas seulement être influent, mais il faut être quelqu'un qui anticipe, qui est dans l'anticipation. Et c'est-à-dire quelqu'un qui crée, qui modifie l'avenir, qui écrit l'avenir, qui écrit l'histoire. Et dans le chassement, il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Mais toujours est-il que toutes ces personnes qui peuvent modifier la révolution, donner le timing du buzz sur les réseaux sociaux, avéré sur des faits fondés ou non fondés, que ce soit ceux qui ont atteint quand même de façon relativement insolente un nombre de vues en temps limité, je me suis amusé à les mettre sur la droite de la révolution. Et ces gens, généralement, qui sont susceptibles de changer, sont les moins radicaux. sont les moins radicaux, sont des potentiels infiltrés. Mais je vais vous surprendre. Ces gens qui sont les moins radicaux, qui sont les potentiels infiltrés, en fait, qui sont quasi au milieu, qui sont au milieu de la droite, de la révolution, c'est-à-dire à un moment donné, il peut aller à gauche, à un moment donné, il peut aller à droite, c'est-à-dire à un moment donné, il peut mettre les deux dans le même direct. Et ces gens, généralement, ces gens, ce sont des peureux. Ils sont en quête de visibilité, mais ils ne veulent pas prendre de risques. Ils sont en quête de reconnaissance, mais ils ne veulent pas prendre de risques. Ils ont peur pour l'avenir. Généralement, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi de façon insolente, même dans leur vie privée. Et donc, ce sont ces gens qui sont là comme ça. Ils sont là comme ça. Et généralement, ils veulent aller au pays. Ils ont même l'habitude d'aller au pays. Or, il y a d'autres personnes qui sont plus très extrêmes, c'est-à-dire disent non, chassement, Paul Biya, je vais le tuer, je vais prendre les armes, voilà, on commence à tontiner, machin truc. Ces gars, parmi ces gars, il y a des profils, il y a des gens qui sont tellement extrêmes qu'ils se sont auto-condamnés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas le chassement, salut Sévérin Domingo, mon frère, s'il y a le chassement, il faudrait partager, s'il vous plaît. Il faudrait partager, penser à partager et envoyer des cœurs éventuellement. Donc ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire que s'ils n'ont pas de chassement, ils sont à la diaspora, ils sont dans un exil de la vie. Et ils aiment le Cameroun. Ça veut dire que c'est comme les âmes errantes qu'on aurait refusé. On aurait refusé le paradis, l'ancré au paradis. Et ils sont en train de tourner. Ils sont en train de tourner en attendant l'heure d'ouverture. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Et ça, on pourrait penser que ces gens ne peuvent pas être des infiltrés. Ne peuvent pas être des infiltrés parce qu'ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai. Mais sauf que, de façon empirique, je dis bien de façon empirique, ça veut dire que moi j'ai constaté, je le dis vraiment avec détermination, avec autorité, que ces gens parfois, ce sont des gens qui font des retournements de situation. C'est-à-dire qu'il allait tellement loin que finalement, quand ils se sont donné un timing du chassement, ils se rendent compte qu'à la fin, peut-être que cette histoire ne sera peut-être pas possible. Et il est temps peut-être de faire un retournement de veste spectaculaire. Ou de faire tout simplement comme les Anango, c'est-à-dire un retournement de veste spectaculaire. Comme par exemple les Zogo. Zogo qui était le premier, si Zogo était parti au Cameroun, lorsqu'il avait créé le décret, il ne sera pas seulement zigouillé, il sera pendu et on devait fouetter son cadavre pendant 40 ans. Et donc, finalement, ce sont ces gens qui sont aussi susceptibles de faire un retournement de veste. On fait un retournement de veste comment? Comment se font le retournement de veste? Ça voudrait dire que quoi déjà un? Ça voudrait dire que finalement, cette droite qui semblait être une droite n'est pas vraiment une. De façon théorique, j'avais pensé que c'était une droite. J'avais fait mon modèle et j'avais dit dans mon modèle que c'était une droite. Mais c'est important, au fur et à mesure, même le raisonnement me pousse à dire qu'en réalité, ce n'est pas une droite, c'est en fait un cercle. En fait, un cercle qui se rejoint. Ça veut dire que finalement, quoi? Ça veut dire que finalement, les gens qui sont de l'extrême gauche et de l'extrême droite, en réalité, peuvent rapidement devenir en se mettre ensemble. Et ça, c'est où ça devient fondamental dans cette révolution. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que c'est un peu comme la Terre, une boule. Les gens qui veulent dire qu'ils fuient le désert en allant plus à droite ou en allant plus à gauche, finissent par se retrouver au désert. Tellement ils vont tellement à gauche qu'ils finissent par se retrouver au désert parce qu'en fait, c'est une boule. Et c'est comme ça que les gens, les premiers savants, pensaient que la Terre était plate. Et ils se sont amusés à aller plus à droite. Et ils se sont retrouvés sur le même point. Et c'est où ils ont commencé à comprendre qu'en réalité, la Terre n'était pas plate. Elle n'était pas plate et infinie. Elle était en fait ronde et finie, quantifiable. Donc ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire tout simplement que il faudrait faire super attention. Moi, c'est ce que j'ai titré ce direct, le premier titre de ce direct, la première partie du moins, sur la réflexion sur le chassement. 2 points, autopsie d'une révolution infiltrée. Donc, il faudrait, s'il vous plaît, faire super très attention avec les extrémistes. Les extrémistes sont les plus dangereux. À la limite, ceux qui sont au milieu de la droite de la révolution. c'est-à-dire du tontinat, de l'extrême tontinat qui est Paul Biya, qui peut décrire tout le Cameroun pour maintenir sa position, en passant par les Atanga Nji et consorts, jusqu'aux Ambazoniens, les Ambazoniens les plus radicaux qui disent qu'ils n'auraient plus rien à voir avec le Cameroun. On passe par des étapes intermédiaires où on rencontre tout le monde, que ce soit de la société civile, que ce soit de la société, que ce soit du RDPC, de la manjoie qui est au pouvoir, en passant par les partis dits satellites, en passant maintenant par des gens qui sont dans la position marginale, qu'on ne sait pas bien. Un jour il vient, un jour il part. Comme Mec Achou. Mec Achou, quand je suis passé sur Afrique Média, j'ai essayé de lui donner, quand j'ai détecté sa dérive vers la droite, j'ai commencé à vouloir l'amadouiller avec beaucoup de mots flatteurs pour qu'il essaie de revenir à la raison. Non, il était déjà passé du côté obscur de la force, dont il n'y avait plus rien à faire. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que tous ces gens sont situés sur cette droite. Et ceux gens qui sont généralement au milieu sont les plus inoffensifs. Parce que ce sont des peureux. Ils ne prennent pas de risques. Généralement, ces gens qui sont au milieu de cette droite, ce sont des peureux. Ils ne prennent pas de risques. Donc, on ne devrait même pas s'en soucier. Quelqu'un qui dit, hey, machin, il n'est pas très ferme dans ses décisions. Il essaye de polir tout le monde dans les mêmes poils. Tu vois, il n'insulte pas correctement les gens. Ils sont toujours là en train d'être politiciens, d'être polis comme les journalistes. Ça, ce n'est pas le rôle. Ici, c'est le chassement. Il n'y a pas le langage poli. Or, ces gens, à la limite, sont inoffensifs pour la révolution. Ils sont inoffensifs. Tu peux les appeler infiltrés ou quoi que ce soit, ils sont inoffensifs. Et généralement, ces gens vont même avoir peur. Lorsqu'on va faire des réunions, les réunions les plus hautement stratégiques, peut-être qu'ils ne viendront même pas à ces réunions les plus hautement stratégiques. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'un et de l'autre camp. C'est pour ça qu'ils sont dans une position marginale de milieu. Ils ont peur de l'un et de l'autre camp. De toute façon, ils veulent être du camp qui gagne. C'est ça, ils veulent être du camp qui gagne. À la limite, ce sont des opportunistes et aventuriers. Donc ça, il ne faudrait pas vous en soucier des gens qui n'ont pas d'envergure, qui n'ont pas de nom, qui sont super polis avec tout le monde, qui n'ont pas de problème avec des gens. Qui n'ont pas de problème relativement, ils essaient d'être polis et machin truc, et qui ménagent parfois certaines personnes du régime et pas d'autres. Parce qu'il y a des gens très très forts pour ça. Comme la deuxième partie de mon direct, je vais parler de Momo. Il y a certains gens qui ménagent Momo, mais ne ménagent pas Atanga Nji. Il y a des gens qui ménagent Atanga Nji, mais ne ménagent pas à Meka, la Mecque camerounaise. Il y a des gens qui ménagent la Mecque camerounaise, mais ne ménagent pas. Donc, ainsi de suite. Donc, ils essaient de jouer les équilibristes. Et c'est comme ça qu'on peut dire, par exemple, comme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un bon gars. Dans le profil qu'il incarne, dans le rôle qu'il incarne, en fait, c'est un exemple patent de ce que je dis. Un coup, il va faire l'apologie de Maurice Kamto, du MRC, un coup, et c'est comme ça, en fait, il est peureux. Et ces gars, franchement, je ne sais pas pourquoi il reste aéré en Occident. Il peut bien partir au Cameroun. Il ne va ni faire peur au MRC, ni faire peur au RDPC. C'est un gars inoffensif. Pourquoi? Parce que c'était un tontino radinat inconscient et vaniteux renégat. C'est-à-dire, il vend juste ses services et voilà, quoi, il fait du buzz. Donc, pour moi, c'est un gars inoffensif. Mais il y a des gars un peu plus dangereux. Par exemple, comme Patrice Nganang, le grand stratège, qui se joue parfois du sapon de personne. C'est-à-dire, à un moment donné, il a même disparu sur la cause anglophone. On ne le voit plus trop sur la cause anglophone. Je me demande s'il écrit des livres actuellement ou pas. Mais c'est quelqu'un qui est très, très attachant et il est toujours cohérent. C'est-à-dire, il a cette capacité-là à pouvoir prouver le pour et le contre d'un argument. Il est très très fort. Il est maître à chaud. C'est-à-dire, aujourd'hui, il vient, il te donne des arguments qui te laissent penser d'aller plutôt à gauche et tu dis que waouh, tu es un génie. Ça, waouh, tu es tellement éloquent, tu es d'une cohérence sans faille. Le lendemain, il vient, prend le même sujet, mais il donne des arguments aussi éloquents pour aller plus à gauche. C'est le contraire de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, et ça, ces gars, ils sont très rares dans cette révolution. Nganang en fait partie. Et donc, ce Nganang est tellement spécial. Et c'est pour ça que j'ai dit, la conclusion de ça, c'est que ma fameuse droite déturée de la règle de la révolution, la droite de la révolution, n'est pas en fait une droite. J'avais designé théoriquement ça comme étant une droite, mais je suis arrivé à la pratique. J'ai été confronté à la pratique, à la réalité de façon empirique. Je me rends compte que c'est en fait une règle. C'est-à-dire que, à Atanga Nji, vous serez surpris à un moment donné qui pourrait faire un changement de veste. Et il faudrait faire attention. Un changement de veste à un coup. J'ai vu des gens, on invite Momo, je vais parler de ça dans mon discours, on invite Momo, il vient en racolage, mais on ne lui demande rien en échange. Mais ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on fait un retournement de veste, il faut prouver qu'on a fait un retournement de veste. Ça ne se proclame pas. Non, ça se donne dans des actions. Il faut aider la révolution. Tu ne peux pas faire une sortie flatteuse et les gens se mettent en extase. Oh, Momo, oh, oh. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ça et puis il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais pourquoi les gens sont dans l'émotion? Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'émotion. En fait, c'est que chaque fois qu'il y a un retournement de situation, il y a un prix. On demande un prix, une contrepartie. C'est pour ça qu'un Nganang, si Nganang a retourné le fait, c'est qu'il a eu une contrepartie. C'est ça qu'on appelle les infiltrés. Et le bon infiltré à la base n'est pas un agent secret. Il ne faut pas confondre. On dit que ce n'est pas un agent secret. Un infiltré n'est pas un agent secret. Ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire que généralement, c'est des gens qui étaient là dans le combat pour de vrai. Et à un moment donné, ils ont fait un retournement de veste. Ce n'est pas quelqu'un qui est ancré d'abord dans le combat. Et dans, quand il est ancré dans le combat, il est en mission. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Généralement, c'est pour ça que même les policiers, quand ils vont en vraie infiltration, qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est que... Mais tu participes au crime. Tu ancres dans les gangs. Tu montes les rangs au fur et à mesure. Tu participes au crime et tu montres ta loyauté. Et c'est seulement bien après qu'on te rappelle à tes missions. Et quand on te rappelle, c'est que c'est pour sortir. Ce n'est pas qu'on te rappelle ou bien non. C'est juste pour t'extirper et tu disparais jamais. Bon, toujours est-il que c'est pour dire que moi je suis comme ça en train de vouloir faire une conclusion partielle sur la première partie de mon direct. C'est que la règle de la révolution, c'est une règle qui est en fait une courbe. Et cette courbe, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens qui sont aux extrêmes sont en fait des gens qui sont potentiellement les mêmes personnes. C'est la même chose. Si tu vois même en politique, c'est-à-dire l'extrême droite ou l'extrême droite en France, nous qui suivons la politique française, si tu prends le programme de Marine Le Pen et le programme de Mélenchon, quelque part, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a juste des points... La façon de... Ils ont fait le même constat. Ils ont fait le même diagnostic. Mais c'est les remèdes qui changent. Ils ont fait le même constat, le même diagnostic, c'est les remèdes qui changent. C'est-à-dire, l'autre va dire que non, on ouvre plutôt l'immigration. L'autre va dire que non, il faut qu'on ferme plutôt l'immigration. Il faut qu'on vive plutôt en autarcie. Parce que si on vit en autarcie, quand on va produire la richesse, ça va rester sur place. On n'aura pas besoin de l'inflation, on ne va pas gérer les histoires de fluctuations de monnaie, les problèmes de Chine, on aura le plein emploi et tout et tout. Non, l'autre dit que non. Si tout le monde ouvre les frontières et que finalement la Terre devient une terre, un village planétaire, et que finalement les États-Unis deviennent des États-Unis d'Amérique, deviennent les États-Unis du monde entier, finalement, c'est qu'il n'y aura plus de guerre et tout le monde sera équilibré et machin, truc et machin, truc. Donc ça, c'est juste les concepts. Mais le diagnostic est le même. Le diagnostic reste le même. C'est-à-dire ces extrêmes-là sont les plus dangereux. Il faut faire super très gaffe avec les extrêmes. Et les gens qui sont au milieu, qui sont machin, truc-là, il faut les laisser tomber parce qu'ils ne sont pas importants. Ils manquent de courage, ils manquent de volonté, de dignité. Ils n'ont pas réussi leur vie, ils ne peuvent pas réussir un projet de chassement. Donc, ces gens qui sont au milieu, on ne connaît pas bien leur étiquette, il faut les laisser tomber. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le bon tontinard doit être à côté de Maurice Kamto, à côté gauche ou côté droite. C'est ça le bon tontinat. Il ne faut pas qu'il parte trop loin. Parce que si tu pars trop loin, tu risques d'aller dans la zone marginale, la zone de quelqu'un qui n'est pas, qui est incertain, qui est presque la limite sardinale. Donc tu es marginal, tu ne connais pas, tu ne crois pas bien au projet. Donc il faut être plus du côté, il faut être plus du côté gauche. Gauche de Maurice Kamto. Il faut être plus du côté gauche de Maurice Kamto, plus proche de lui. Ceux qui sont plus à droite de Maurice Kamto, si tu pars trop loin, ça veut dire que tu es en train d'aller vers des gens, des radicaux, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir la guerre, qui vont vouloir obtenir quelque chose, pas par le dialogue, parce que tu ne peux rien faire sans le dialogue. Si tu veux obtenir les choses par le dialogue, ça ne va pas durer, parce qu'une dictature ne dure pas longtemps. Une dictature ne dure pas longtemps. Et c'est pour ça que même les grandes nations, des grandes nations comme la Turquie, comme la Chine, a senti le besoin de se démocratiser, ou du moins une démocratie indirecte, et de punir les élites, parce que les dictatures chutent très très brutalement. Ils se développent très rapidement, mais ils chutent très très brutalement. Les démocraties, elles ont la peine à se développer rapidement, ils prennent beaucoup de temps, mais le développement est indestructible. Est irréversible. Aux États-Unis, il n'y aura jamais de révolution ici aux États-Unis. Pas jamais. Parce que ils se développent très lentement, mais tous les pieds qu'ils mettent, tous les actes sont indélébiles, sont irréversibles. Et c'est ça la force des démocraties. Comme les démocraties françaises et les démocraties britanniques. On a tué les rois déjà en 1700 et poussière. Mais qu'est-ce que finalement c'est qu'un bon combattant? C'est quoi finalement un bon combattant? Je vous ai expliqué ce que c'est qu'un infiltré et qui pouvait être les infiltrés. Et pour vous aider, je vous ai dit qu'il y avait une droite. Mais en réalité, cette droite-là, c'est un cercle. C'est une droite dont l'extrême gauche et l'extrême droite finalement se rejoignent et deviennent la même chose. Donc, ce sont ces gens qu'il faudrait faire attention. Ce sont ces gens qui finalement font le plus mal à la révolution. Et ces gens qui sont au milieu plutôt sont des gens, ils sont dans la zone marginale, il faut les laisser tomber. Mais c'est quoi c'est qu'un bon combattant? Un bon combattant finalement n'est pas celui qui dit que Paul Biya va partir, Paul Biya tu pars, il faut partir, ou bien il faut la guerre, il faut acheter les armes, il faut acheter une machine. Non, non, non. Un bon combattant, c'est quelqu'un qui sait que la révolution en fait c'est l'idéologie, c'est une droite d'idéologie. Ce n'est pas une droite de personne, c'est une droite d'idéologie. Ce n'est pas une droite de personne. Et on pose les personnes sur la droite, sur cette droite d'idéologie. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que toi, si on te prend, on dit qu'il faut qu'on te positionne dans la droite. Toi-même, tu dois être capable de t'identifier, pas peut-être par rapport à Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de Maurice Kamto, c'est généralement, je parle de l'idéologie du MRC. Ce n'est pas la personne. Mais comme Maurice Kamto incarne l'idéologie du MRC actuellement, c'est où je le situe de façon pour aussi attirer le père de l'attention. Mais sinon, c'est finalement, essentiellement, je vois des insultes qui apparaissent, c'est essentiellement une droite de l'idéologie. Des projets de société. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et c'est pour ça que c'est super important. Et en réalité, c'est quand je dis que c'est vraiment un cercle, c'est vraiment un cercle. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si c'est un peu comme la roue de vélo. C'est-à-dire que tu as un rayon qui part jusqu'au milieu, un autre rayon, la continuité du rayon continue comme ça. Là. Donc ça voudrait dire que quoi? Si on dit par exemple la notion d'éducation, qu'est-ce que tu veux pour l'éducation? Il faudrait que tu essayes de te situer, si on parle du projet d'éducation. Il faudrait que tu essayes de te situer. Tu dis que bon, la vision de l'éducation, c'est que éducation pour tous. On ne paye pas pour l'éducation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être à la gauche. Pas l'extrême gauche. Parce qu'à la limite, il faut que l'éducation soit compétitive. Il faut que les écoles soient compétitive entre elles. Donc, pas à l'extrême gauche. Et parce que si tu pars trop à gauche, ça veut dire que c'est un poids. Ça sera un poids pour l'État. L'État, parce que l'État a besoin aussi de mettre de l'argent dans la santé, qui va mettre de l'argent dans la diplomatie, les passeports et consorts, dans la sécurité, dans la défense. Donc, il ne faudrait pas que ça soit trop à l'extrême gauche. Mais il ne faudrait pas que ça soit non plus à l'extrême droite. Bon, quand on dit par exemple l'éducation, si on dit par exemple la santé, on veut être à droite de la santé, donc c'est-à-dire c'est un autre rayon des vélos. Finalement, si on dit rayon, donc il faudrait que on soit capable de se situer. Et finalement, si on fait une moyenne de tous ces rayons, on peut retrouver une droite, mais une droite cyclique. On peut dire ça comme ça de façon imaginaire. Une droite cyclique, où il ne faut pas se retrouver dans les extrêmes. Parce que si tu te retrouves dans les extrêmes, en réalité, c'est que tu as fait un cercle. C'est un peu comme le map. C'est-à-dire, c'est un peu comme la carte du monde, où on a ouvert la carte du monde. Finalement, tu dis, le monde est comme ça. Ben, quand tu regardes sur le plan, tu as l'impression que, en fait, le monde est plat. Le monde est plat. Donc, c'est-à-dire que celui qui est en Atlantique, là, on appelle machin truc, et celui qui est à l'Islam, en fait, c'est deux parties complètement éloignées du monde. Non, en réalité, c'est pas éloigné du monde, c'est le même point. C'est juste qu'on est venu sur un point comme ça, on a coupé, on a étiré. Donc, finalement, on a l'impression qu'effectivement, c'est... Donc, il faudrait que les gens mettent ça dans la tête, que c'est une droite, c'est un cercle. C'est un cercle d'idéologie. Il faudrait mettre son idéologie quelque part. Forger ça quelque part. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui peut tenir de façon générale et de façon homogène? Parce que le Cameroun est un pays hétéroclite, c'est-à-dire même les cultures. Si tu vas au nord, tu demandes la priorité, par exemple, du développement au nord, ça ne sera pas la même priorité de développement au sud. Parce qu'au nord, par exemple, ils ont peut-être les problèmes de climatisation, les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes, d'autres problèmes. Au sud, on a d'autres problèmes, d'autres maladies et d'autres formes d'éducation, et ainsi de suite. Donc, finalement, il va falloir homogénéiser tout ça. Heureusement que le programme le programme alternatif au RDPC, qui est un programme du MRC, est très, très crédible sur ce point. Et c'est pour ça que je voudrais donner un coup de chapeau aux concepteurs de ce programme-là, le programme de société. Le bon combattant, finalement, n'est pas celui qui dit « Don Paul Biya, tu vas partir. » Le problème, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya, comme j'ai écouté le dire depuis un certain temps, que j'admire énormément, du professeur Franklin Nyamsi, qui parle sans cesse de cette histoire qui a une relation avec la Bible. Quel est ton nom? Dis-moi quel est ton nom? Mon nom c'est Légion. Mon nom c'est Légion. Pour dire quoi? Pour dire que finalement, il ne faudrait pas laisser penser que si on enlève une personne de Paul Biya, ben Paul Biya, si on enlève la personne de Paul Biya serait mort et le Cameroun va se relever. Non, ça ne sera pas comme ça. Parce qu'il y a quelque part, il y a un peu de biais à chaque personne, à tout le monde. Il y a un peu de biais à tout le monde. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on tue l'idéologie de biais dans la tête. Il faudrait qu'on tue le biais corporel. Il faut qu'on le tue spirituellement. Parce qu'il est nombreux et il faut qu'on désincarne. On enlève les photos dans toutes les mairies, la machine, truc, pour faire des actes forts. Forts. Il y a dans certains pays... On fait même des lois pour interdire qu'on prononce son nom publiquement. En Chine, ça s'est fait. On peut dire on interdit qu'on prononce son nom physiquement. On l'efface de l'histoire du Cameroun. On peut faire des trucs aussi symboliques pour le désincarner, pour l'extirper du Cameroun. Donc, c'est pour dire tout simplement que Paul Biya est beaucoup. Il est légion, il est beaucoup. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que si Paul Biya part, tout est gagné. Non. Donc, quand les gens disent Paul Biya, il faut partir, ce n'est pas ça. Et il y a tellement de scénarios que si Paul Biya part, il y a tellement de scénarios. Donc, ce n'est pas ça. Quand on dit il faut changer le système, il faut vraiment changer le système. Et on appelle quoi par système? On dit c'est toute la clique, tous les gens qui pensent comme eux. Si quelqu'un veut finalement travailler dans la révolution, il doit se repentir. Momo arrive dans un direct, on ne lui demande pas qu'est-ce qu'il a dit de ses frères du génocide de Bamilékés. Qu'est-ce qu'il a dit de nos héros nationaux. On ne lui pose pas la question, mais il paye quel prix. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on fasse très très attention. Donc voilà, c'est pour dire que et le combattant finalement aussi n'est pas celui qui dit qu'il prend les armes. Non. Le combat, c'est d'abord un combat d'éducation. C'est un combat spirituel. C'est un combat d'éducation d'abord. De prise de conscience. Après, c'est un combat spirituel. Et après, c'est un combat d'idées finalement. Comment convaincre quelqu'un que c'est dans son intérêt qu'on arrête de bagarrer et qu'on s'asseye, sinon on va bagarrer éternellement? Il y avait un livre qu'on apprend même dans les relations internationales, un livre très précis en relations internationales, où l'action intitulée, c'est la guerre du Peloponnèse. C'est-à-dire, c'était une région, le Peloponnèse, c'était une interface, une région, un territoire, un petit territoire entre Sparte et Troie. Et ils se faisaient la guerre. Ils se sont fait la guerre, des guerres millénaires. C'est-à-dire, et ils se réduisaient mutuellement en esclavage. Ils se réduisaient mutuellement en esclavage. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas de territoire là. Il n'y avait pas de ce territoire. Donc, finalement, ils étaient des voisins. Et donc, quand il y avait un qui était tellement fort, il prenait le dessus sur l'autre. Il assujettissait. C'est le peuple voisin. Il les réduisait en esclavage. Jusqu'à ce qu'ils sont tellement... Et ils ont peur du colon. Ils ont peur de l'autorité. Ils ont peur d'Atanga Nji. Jusqu'à ce qu'ils ont peur, par exemple, de la milice tribale qui dirige, multi-ethnique, qui dirige le pays. Jusqu'à ce que, finalement, on les enlève, on leur enlève même leur dignité. Et finalement, quand tu te sens, finalement, dépourvu de ta dignité, tu es obligé, finalement, de te battre, de faire un dernier souffle de suivi. Sinon, tu meurs. Et c'est dans ce dernier souffle de suivi qu'on appelle l'impulsion des dira que tu détruis, finalement, ton adversaire. Parce que tu te rends jamais compte que tu es très fort. C'est ce que le Cameroun est actuellement. Le Cameroun ne se rend pas compte qu'il est très fort. Et quand tu détruis finalement ton adversaire, qu'est-ce que tu fais? Mais ne l'assujettis pas. Ne l'assujettis pas. Discute avec lui. Fais comme les Américains ont fait avec les Japonais. Ben écoutez, on vous a détruit là. Bon, il faut qu'on parle maintenant. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Voici ce qu'on peut faire. Voici les mesures d'accompagnement. Il n'y aura pas de traîtrise. Voici les rapports privilégiés que j'aurai avec toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se lève du niveau et on dirige le monde. C'est comme ça que ça se fait. Regarde l'Allemagne. L'Allemagne, on les a pas assujettis. La preuve, après la Première Guerre mondiale, ils ont été menacés, ils étaient envahis, ils étaient assujettis, ils se sont révoltés. Ça sera sans cesse ça. Et c'est ça la leçon. La leçon de la guerre du Peloponnèse. C'est-à-dire que lorsqu'on aura gagné, cette guerre cette guerre révolutionnaire, cette guerre du chassement, il ne faudrait pas qu'on impose les mêmes pratiques aux autres, aux perdants. Non, il faudrait qu'on sache qu'il faudrait s'asseoir et discuter. Donc, ces gens qui sont dans l'extrême sont très, très dangereux, en fait. Et donc, ceci dit, il ne faudrait pas surtout faire une alliance militaire avec les Ambazoniens. Non, non. Et Maurice Kamto l'a compris très tôt. Il ne faudrait pas faire une alliance avec les idéologues du chassement. Patrice Nganang, parfois c'est un bon exemple, parfois c'est un mauvais exemple de l'extrémisme et du châtiment. Donc il est un peu ambivalent. Donc c'est ce que moi je voulais dire. Et je n'étais pas en train de vouloir faire un débat de personnes. Oh, celui-ci est infiltré, oh, celui qui n'est pas infiltré. Et chacun doit tirer. Moi j'ai une idée sur les gens qui peuvent être infiltrés. J'ai clairement une idée des gens qui peuvent être infiltrés, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de mon direct. Ce n'est pas de dire que toi, tu es un infiltré, toi, tu ne peux pas, toi, tu as le bon profil, toi, tu ne l'es pas, mais que chacun tire les conclusions sur la base de ce que je suis en train de dire, sur ce que je suis en train d'exposer. S'il vous plaît, il faut que partagez ça énormément. Partagez énormément. Donc moi, j'ai dit, il ne faudrait pas avoir peur des infiltrés. Les infiltrés ont leur rôle. Les infiltrés te permettent de te surpasser. Il faut bien tenir compte des infiltrés pour être capable de te surpasser. Il faudrait garder une partie secrète de toutes les stratégies qu'on fait. C'est ça aussi, être un combattant. Ça se joue aussi dans la tête. Il faudrait tenir compte d'une partie d'incertitude. Il faudrait tenir compte de cela. Et ça se peut se prévoir, même lorsqu'on part. Si on part faire un truc, tu te dis, hey, si ok, 25% des gens se retournent contre 75%, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la marge d'erreur? Quelles sont les possibilités? vous appréhendez ça, même de façon individuelle, avant de faire quoi que ce soit. Donc les infiltrés peuvent nous permettre de nous surpasser. Et le jour que les infiltrés n'agissent pas, on est à 100% de nos potentialités, peut-être même parfois à 125% de nos potentialités pour pouvoir faire face aux différents scénarios qui arrivent quand les infiltrés ne se présentent pas. Et si les infiltrés se présentent finalement, ou bien, c'est-à-dire agissent dans le sens contraire du projet qui a été fait, ben finalement, la marge de ce qu'on appelle le surdimensionnement va annuler l'effet des infiltrés. Donc, et j'ai dit les infiltrés marginaux, ça c'est pas un problème. Mais c'est les retournements de veste qui est vraiment un problème. C'est les retournements de veste. Parce que ces gens qui retournent la veste ont souvent beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Et ils ont pris un certain leadership. Donc finalement, on se retrouve lors d'une action à avoir un vrai leader qui a disparu, qui est porté disparu, ou on t'appelle, ça ne passe pas, ou bien ceci et ceci, ou j'ai cassé mon pied, ou bien oh, je suis à l'hôpital, ou bien machin, truc. Donc, ça, ce sont ces gens qu'il faudrait faire attention. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est super important. Et pour dire que les infiltrés, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ça nous permet de nous surpasser. Mais il y a quelque chose que je voudrais aussi dire, qui est très important. Ouvrez bien vos oreilles. Un chasseur ne prend pas son bain avant d'aller à la chasse. Un chasseur ne prend pas son bain avant d'aller à la chasse. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on part à la chasse avec les souillures qu'on a. Peut-être même avec les pluies, parce que ça nous permet de aussi jouer de l'adversaire. Imaginez-vous un seul instant que on vient arrêter des gens ou bien on envoie une bombe sur des gens, sachant qu'on a 25% de cette masse qui sont des infiltrés, c'est-à-dire le régime de Biya. Envoie faire des choses. Mais ils vont pas freiner, ils sont obligés de discriminer. Ils sont obligés de synchroniser. C'est une difficulté en plus. Donc il ne faudrait pas croire que c'est une mauvaise chose. C'est pas forcément une mauvaise chose que d'être infiltré. Ça voudrait dire que quoi? Ça veut dire qu'on part avec ses souillures. Ça veut dire que quoi? Quand je dis souillures, on ne se lave pas. On part avec les infiltrés à la chasse. On part avec les infiltrés à la chasse. Parce que de toute façon, même quand on aurait tué le lion, il y aura des infiltrés. Il y aura les infiltrés. Et il faut, référez-vous. La droite de la révolution, ce n'est pas une droite de personne, c'est une droite d'idéologie. Ça veut dire que s'il est infiltré, ça veut dire qu'il a un problème avec son idéologie. C'est que même à la fin, ça sera un adversaire. Même à la fin, on va dealer avec les infiltrés. Jusqu'à ce que finalement, la guerre d'éducation, de l'éveil de conscience aboutissent, et c'est en train d'aboutir. Il y a des gens qui font ça de façon vraiment exceptionnelle, comme le professeur Franklin Nyamsi, et que j'apprécie énormément. Donc, c'est ces notes-là, j'irai finir la première partie de cet exposé, de cette réflexion, parce qu'exposé, c'est un peu très dit, qui portait sur la réflexion sur le chassement autopsie d'une révolution infiltrée. On ne part pas à la chasse. On ne prend pas, d'autant pour moi, on ne prend pas un bain avant d'aller à la chasse. On part à la chasse avec ses souillures. Parce que de toute façon, soit on gagne, soit on meurt. Et si on meurt, souvent ça sera avec les infiltrés aussi. Et parfois, généralement d'ailleurs. Et donc, comme moi j'ai dit, dans cette fameuse courbe, cette droite de révolution, cette courbe finalement, de façon empirique, quand on dit de façon empirique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la pratique, on a développé une théorie, et c'est l'observation de la pratique, et pour essayer de voir s'il y a une corrélation, et si c'est la pratique en train de corroborer, si c'est un langage en train de corroborer avec la théorie, on se rend bien compte que non, il faut introduire un paramètre qui va niangaliser l'affaire, c'est-à-dire qui va faire que le modèle théorique se rapproche plus du modèle pratique. Et c'est comme ça que j'ai vu que cette droite, en fait, c'était un cercle. Ça veut dire qu'il y a un retournement de situation, c'est-à-dire que les gens, finalement, qui atteignent l'extrême gauche se retrouvent à l'extrême droite, ou ceux qui sont à l'extrême droite peuvent se retrouver à l'extrême gauche. Par exemple, Momo Jean de Dieu. Momo Jean de Dieu, moi, je citerai sur mon Facebook, waouh, ce n'est pas un petit stratège. Que prends bien tu bois. Voici un monsieur un ministrion qui a constamment changé de position, très instable, très vaniteux, qui a constamment changé de position, que même son ombre ne peut pas croire en lui, qui a vendu son patronyme, c'est-à-dire sa lignée traditionnelle, familiale, jusqu'à régner ses combattants, ses ancêtres. C'est pas vous qui ne va pas vendre. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Il est habitué à changer de veste, c'est-à-dire qu'il est aux extrêmes. Maintenant, il vient, il ne parle pas avec le MRC. Non. Il vient, il parle avec les gens du chassement, la brigade anti-Sardina. C'est-à-dire, il parle avec les... Donc, c'est-à-dire que c'est un retournement de veste, ce qu'on appelle un retournement spectaculaire. Donc, finalement, c'est finalement quelqu'un vraiment de l'extrême. Donc, finalement, l'extrême gauche perd rapidement avec de l'extrême droite. C'est-à-dire, en deux moments. Voilà un ministrion qui... Il a échoué. C'est-à-dire, avec les règles qu'il a acceptées, qu'il a mûries, qu'il a réfléchi. Il s'est allié avec des démons politiques, idéologiques, qu'il connaît. Il est allé aux élections. Il a perdu à plate couture. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est ministre de rien. Ministrion de rien du tout. Il n'a même pas 25 adhérents idéologues. Il a dû marcher derrière des personnes anonymes. On a écouté des voices. Pour que ces personnes puissent s'enrouler au nom de son parti à Garoua, au nord. Parce que c'est un parti inexistant. C'est un parti fictif. Mais, dans un jeu de roublazise, en utilisant la mort des disparus de Bépanda, ce ministrion a pu, finalement, s'incruster, telle une vermine reptilienne. Reptilienne dans le système de dictature, dans le système répressif en place. Et aujourd'hui, s'entend sa mort prochaine, vomi de tous bords. Je vous ai quand je dis bien de tous bords, je pèse mes mots. Vomi par l'extrême droite dans le RDPC. Parce que l'extrême droite dans le RDPC, c'est profondément tribal, clanique. Vomi par l'extrême gauche dans le RDPC. Parce qu'ils sont jaloux de quelqu'un qui est quitté de la gauche. Traverser le milieu. Les traverser en question. Comme les Mesanga Nyamdin. Les traverser et venir jusqu'à être ministre. Donc il est vomi de tous bords. Maintenant, il est pourchassé par la communauté internationale. Voilà un gars qui est éligible à la CPI, idéologiquement à la CPI, en très bonne place. Ce gars, il a été interdit de passage sur les réseaux sociaux. Il est mis au frais comme monnaie d'échange. Lorsque le régime va changer, lorsqu'il y aura changement, lorsqu'il y aura révolution, on a vu déjà comment on commençait à arrêter des capitaines. Je vais revenir dessus, sur la troisième et dernière partie de mon exposé. Ce monsieur qui a été interdit des réseaux sociaux. Même dans sa propre famille, il n'a plus de poids, il n'existe plus. Il réussit par un jeu de passe-passe, malin, malin et demi, petit stratège de son état, à se glisser dans les structures du chassement, à utiliser les structures communicationnelles du chassement qui sont les réseaux sociaux. Le RDPC, on ne peut pas l'accuser dans le pouvoir d'aller sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui qui était sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui, il n'a pas montré sa tête. Il a même dit qu'on ne montre pas son visage. Ce n'est pas lui qui était sur les réseaux sociaux. Donc il a réussi à utiliser la structure du chassement. Mais parfois, je dis, des gens, le problème du chassement, c'est que les gens ne voulaient pas se mettre, ils aimaient être libres, des libres penseurs, des libres agitateurs. Et du coup, parfois ils ne réfléchissent, parfois ils ne tiennent pas compte de toutes les conséquences des actions. Moi, je ne peux pas l'inviter dans mon direct. Je ne peux pas utiliser mon erreur de quelques 45 personnes actuellement. Merci pour votre présence, pour lui donner de l'aura, de la visibilité. Il a réussi lui, il a parlé même du Covid-19 et de la tontine. Mais il a réussi à éclipser la tontine. Il a réussi à éclipser les idéologies du MRC. Il a réussi à éclipser Maurice Kamto sur les réseaux sociaux, ça fait 2-3 jours. Il a réussi finalement le coup qu'il voulait, le coup rêvé, de dire, de faire une menace à peine voilée au gouvernement. J'ai eu un nom. Bientôt, je pourrais aussi être légion. Donc faites attention. Mais c'est juste dommage que des gens de la Révolution ne peuvent pas faire une réflexion assez poussée pour comprendre les enjeux de sa sortie. Et il le sait, pour marquer son coup, qu'est-ce qu'il dit? Quand il fait sa sortie, il espère, il veut que ça passe, que ça fasse du buzz. Il connaît le mécanisme des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme Messandia Nandine parfois. Fermez le micro, fermez le micro. Ne dites pas que c'est moi. Ne mettez pas ma photo. Qu'un enseignant, quand il arrive parfois à un moment donné où il veut que ses étudiants ont l'attention pour lui, retiennent quelque chose de son cours, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on appelle l'effet inverse de ce qu'on aurait voulu. Soit tu parles généralement très faible, et lorsque tu voudrais que les élèves, tes étudiants retiennent quelque chose de toi, tu lèves le décibel. Il y a certains gens qui parlent très fort, de façon très intelligible, et lorsque ils voudraient au moins qu'on retienne quelque chose de soi, il faudrait qu'ils changent de vitesse. Donc ils baissent le décibel, ils ferment le micro. Et c'est cette tactique, cette technique enfantine que plein de ruses comme Momo Jean de Dieu a utilisé. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit enlevez, ce n'est pas, ne mettez pas ma photo. Ne mettez pas. Donc il veut dire qu'il est en sous-marin. Il veut dire qu'en réalité c'est un scoop. Il veut dire qu'il est super important. Donc ça peut prendre de l'ampleur, de l'envergure. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'avais dit que franchement, il faudrait qu'on fasse attention. Il faudrait qu'on fasse attention sur les structures qu'on a. Il ne faudrait pas que... C'est plus pire qu'un infiltré, c'est-à-dire quelqu'un qui, il est de un autre bord, il utilise les structures du chassement pour finalement se présenter, s'embellir auprès du régime en place. Et pour dire au régime en place, hey, faites attention, moi, je serai bientôt légion. Je suis légion, j'ai eu un nom. Je suis capable de nuisance. Tu n'as pas de militant. Tu as été vomi par ton village. Tu es la risée de tout un peuple. Tu es éperviable. Quand je dis éperviable, ce n'est pas parce que il a trop volé. Non, je veux dire c'est parce qu'il sera de monnaie d'échange. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait le consensus. Qu'on dit le consensus dans la lapidation. C'est quelqu'un qui fait le consensus dans la lapidation. Si tu demandes au tontinard, à l'extrême gauche, ils vont te dire que le gars là, oui. Tu demandes au sardinard, les gars vont dire que ouais. Tu demandes aux tribalistes, les gars vont dire que oui. Que ce soit un tribaliste de tous les bords, de toutes les tribus. Ils vont te dire que le gars, tu demandes même au gars qui est nul. Quelqu'un va dire que pourquoi ça, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me fait? Où est ma peur ça? Donc c'est aussi, c'est-à-dire, pour dire généralement que ce gars, franchement, il a fait un coup de maître. Il a fait un coup de maître, il a fait du buzz. Si c'est même pas lui, c'est qu'il serait en connivence avec ceux qui ont fait ce buzz. Et moi, je suis juste... j'ai tout simplement regardé ça et j'ai compris que il y avait un problème. Il y avait un problème et il faudrait qu'on fasse super attention avec en donnant sa plateforme à certaines personnes. Il y a certaines personnes qu'on ne voudrait pas, on ne voudrait même pas qu'ils changent de veste et qu'ils le disent publiquement. Qu'ils changent de veste et qu'on leur demande une monnaie d'échange. Il faut la monnaie d'échange. On ne change pas de veste pour changer. Tous ces gens qui ont fait le retournement de veste comme Zogo, ils ont touché de l'argent. Ils ont eu des garanties. Ils ont eu plein de garanties sur quelque chose. Quand on a dit que par exemple, comme Wanto, général Wanto, je le vois aussi, c'est aussi une personnalité que je respecte même d'ailleurs. parce qu'il est assez réservé et assez diplomatique dans sa façon de parler. Et c'est bien normal qu'il a acquéri, il a pu acquérir beaucoup d'expérience dans sa longue lutte pour une alternative idéologique au Cameroun. On dit qu'il s'est dit qu'il aurait rencontré Atanga Nji. Mais Atanga Nji lui a demandé une contrepartie. Qu'est-ce qui était la contrepartie? Et c'est ce que ces gens qui ont révélé l'action ne disent pas. Quelle était la contrepartie? Trahir la révolution, c'est une autre. Mais concrètement, en quoi faisant? Concrètement, en quoi faisant? Donc, on reste sur nos confins. Ils ont beaucoup de choses à cacher, qu'ils continuent à cacher. Il n'y a pas une transparence qui se fait là-dessus. Et aussi, finalement, eux qui sont allés à cette discussion, qu'est-ce qu'ils espéraient de cette discussion? Toute est la question. Qu'est-ce qu'ils espéraient de cette discussion? Toute est la question. Qu'est-ce que, disons qu'ils sont venus aussi, trivialement, demander aussi à Atanga Nji de trahir son... Admettons, soit qu'ils soient venus aussi demander à Atanga Nji de trahir son camp. Mais concrètement, ils ne disent pas en quoi ce qu'ils ont demandé à Atanga Nji. Ils ont parlé d'argent. Mais c'est parce qu'ils parlent d'argent qu'ils parlent d'aller construire avec cet argent. Mais ils ne parlent pas globalement du changement du Cameroun. Ils ne parlent pas d'un coup décisif pour la révolution. Puisque Atanga Nji n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut toujours... Quand on vient vous raconter des choses, il y a une démarche critique qu'il faut adopter. Et même à l'armée américaine, il y a toujours les questions où, quand, pourquoi, comment, qui gagne quoi. Ça, c'est qui gagne quoi, c'est moi qui ajoute pour juste étayer ce que j'étais en train de dire. Ces histoires-là, où, quand, comment, pourquoi. Ça, il faudrait toujours avoir ça en idée lorsque quelqu'un vient vous raconter des sornettes. Parce qu'on n'est pas des enfants. On ne fait pas du buzz pour faire du buzz. Si vous dites la vérité, vous dites toute la vérité. Mais si à un moment donné, on met le direct, l'audio, à un moment donné, on coupe l'audio. Il y a tes enfants ici. Pourquoi à un moment donné, tu coupes l'audio? Pourquoi tu sors l'audio à un moment donné, tu coupes l'audio? Tu fais le chat, on dit qu'il ne faut pas les noms. Tu coupes le nom. Le nom, ça fait quoi? Si on verse, après on va ramasser. On est en train de verser pour verser. Et si tu veux écrire l'histoire, il faut écrire l'histoire. Il faut écrire l'histoire, écrire correctement l'histoire. Quand on fait un rapport, quand on prend même un extrait de quelque chose, on met le reste en annexe. On met le reste en annexe. Et c'est juste pour finir avec cette histoire de Momo, pour dire que j'ai juste glissé. Et ce n'est pas souvent, et je ne vise personne en particulier parce que tous les combattants font ça. C'est-à-dire, ils racontent des histoires, on ne connaît pas situé dans le temps, on ne sait pas pourquoi ça a été fait, les initiatives venaient de qui, ça venait d'Atanga Nji ou pas, comment il a eu le contact, et ainsi de suite. On ne connaît pas quels étaient les relais, et ainsi de suite, on ne connaît rien. Donc, il faudrait faire attention avec les infiltrés. Et Momo, lui, il n'est pas un infiltré. Non. En fait, il est venu, il s'est glissé dans le système pour avoir... C'est-à-dire, il a essayé de contourner le verrou. Le verrou qui est autour de lui. Parce qu'il est non seulement dans une prison physique, mais il est aussi dans une prison virtuelle. Quand je parle de virtuelle, c'est-à-dire l'existence même sur les réseaux sociaux. Et il le sait. Et c'est pour ça que il a changé sa façon de communiquer. Il fait maintenant, il ne tweet plus, il n'écrit plus. Il fait maintenant les communiquer en bonne et due forme comme un ministre. Même pour faire le don. Même pour faire le don il était le seul d'abord, c'est-à-dire le seul Sazina qui a fait le don sur le litige ouvert par le président Paul Biya. Le président est contesté. Mort ou mourant. Et donc, c'est questionnable. Même pour faire ce don, le gars, il a fait un truc carrément formel. Aujourd'hui, il a utilisé les structures de la brigade anti-sardinat, ou bien du chassement, ou des Amazones, whatever, je ne connais pas très bien, du moins à positionner cette brillante dame, la Twins, qui est dans les groupes. Donc, voilà. Parce que moi, je suis souvent dans une réflexion macro. Je ne suis pas dans des réflexions au niveau... au micro spécifique et micro. Non, je regarde plus ces choses en gros. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu pour dire que, franchement, Momo est celui qui est l'un des gens qui ont pensé, qui ont dit, qui ont utilisé les canaux officiels, c'est-à-dire la CIA TV, la radio, pour inciter à la haine, pour inciter le génocide, pour minimiser les génocides passés. Pour incriminer, pour inciter à un deuxième génocide des Juifs. Alors que l'antisémitisme était en train de baisser. Mais c'est un gars qui est franchement, dont il y a un consensus général sur sa personne, sur son devenir. Et le gars, il veut malgré tout exister politiquement. Il est plus dangereux qu'Atanga Nji. Jean de Dieu Momo. Lui, il fait partie des gens qui peuvent faire une guerre, comme la guerre au NOSO. La guerre au NOSO, parlons-en. Moi, je parle de... C'est pas ma première fois de parler de la guerre au NOSO. Cette fameuse guerre au NOSO, moi, j'ai toujours dit que il n'y a pas de guerre propre. Et la notion de guerre est carrément liée à la notion de dégâts collatéraux. Et une armée, de façon technique, une armée comme l'armée camerounaise n'est pas suffisamment aguerrie pour faire ce qu'on appelle, pour discriminer entre les cibles. C'est-à-dire la capacité à choisir une cible en particulier dans un champ de guerre. Donc, les civils sont en sorçant. Et les civils, généralement, on va dire les petits amis, en supposant que les civils sont du côté de l'armée régulière. Donc, on peut appeler ça les petits amis. Mais non! Ces civils sont pas les amis. Ce ne sont pas les amis. Et ils ne s'identifient même plus à l'armée régulière, à l'armée camerounaise. Parce qu'ils ont commencé à accumuler une haine. D'abord une haine de solidarité, parce que les francophones, pour la majorité, au début de cette guerre, il faut le dire, il faut être honnête de le dire, avec de l'indifférence. Pas du dégoût, mais de l'indifférence face à ce qui se passait au NOSO. Sans savoir qu'en réalité, ce qui se passe au NOSO, c'est en réalité... C'est le futur du Cameroun qui se décide. Parce que cette guerre au NOSO sera la jurisprudence de toutes les revendications dans chaque province du Cameroun. Ça sera la jurisprudence de toutes les futures revendications dans l'histoire future du Cameroun. Si le régime de Yaoundé gagne cette guerre, on en est fini avec les libertés individuelles au Cameroun. Soyons honnêtes. Si le dialogue ne gagne pas, on aurait fini avec l'avenir en termes de dialogue dans ce Cameroun. C'est que tout sera que de la guerre. Et c'est totalement... C'est où c'est effrayant. Mais maintenant, l'enjeu aussi, quoi, il faut aussi être républicain. Il ne faudrait pas dire que ah non, on n'a pas besoin d'armée. Mais si on a besoin d'armée, et comment on va distinguer les bons armés des gens qui font la guerre au nord contre Boko Haram, d'autres parties de l'armée qui font plutôt la guerre contre nos frères du NOSO? Comment les distinguer? Ou bien certains qui font la sécurité maritime, ou bien ceux qui se combattent contre les rebelles centrafricains, l'incursion des rebelles centrafricains dans la prise des rançons, même au nord, au Cameroun, ou bien pour massacrer les bergers et consorts. Comment on fait cette distinction? Donc ça veut dire que quelque part, il faut garder à l'esprit que cette armée est utile. Moi je porte fièrement au Cameroun. Cette armée est utile, bien que une partie de l'armée est profondément politique et politisée. Politique, politisée et tribale. Il faut clairement le dire, c'est-à-dire pas national. Il y a une milice au sein de l'armée. Il faudrait le dire. Et de toute façon, toute cette armée est coiffée par les mêmes squelettes, les mêmes unités de décision. C'est juste que pour certaines missions, comme ce sont des missions qui ne sont pas républicaines, on envoie la milice. Mais pour d'autres missions qui sont plus républicaines, ben on se contente d'envoyer l'armée régulière, l'armée normale, l'armée qui a été formée pour faire ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est super important de ne pas rejeter cette armée, de savoir que cette armée-là est républicaine. Mais quel est l'enjeu aussi pour le gouvernement qui dirigeait cette armée? Ou bien même la future probable gouvernement de transition suite à un dialogue? Elle va aussi parrainer cette armée. Mais quel sera l'enjeu pour pouvoir mettre une fin totale à la guerre du NOSO? C'est de leur donner raison, sans pour autant dire que l'État a été faible. C'est de leur donner raison, sans pour autant dire qu'il faut nécessairement prendre les armes pour demander quoi que ce soit. Tout est ce jeu d'équilibriste qu'il va falloir faire. Et Maurice Kamto le fait de façon excellente. Il prend la cause anglophone à la base. Il comprend la frustration anglophone. Il inscrit ça dans son programme politique, dans les premières mesures de sa prise future de fonction. Mais aussi, il ménage l'armée républicaine, la vraie armée républicaine, pas la milice. Il ménage l'armée républicaine et dit, hey, modérez, modérez, faites attention. Faites une pause. Créez une zone tampon. Créez des conditions pour que l'adversaire, les ambassadeurs déposent leurs armes en sachant que ils ne seront pas tués et qu'ils auront le dialogue. Ils auront les garanties, toutes les garanties nécessaires pour un dialogue. Toute est la question. Et éventuellement, un effet réversible, sinon pas ce qu'ils ont au dialogue, sinon pas ce qu'ils ont, il faut qu'on leur permette de reprendre l'arme pour continuer, pour que l'équilibre soit fait finalement. Ceci dit, qui tue au NOSO? Qui tue? La question est qui tue? Et moi j'avais titré sur mon direct, c'est celui à qui profite de crime. Qui donc? Le filou. La réponse est le filou. Mais qui est le filou? Qui est le filou? Mais le filou est juste le représentant, l'ambassadeur de France. C'est lui le filou. Guilhou, Christophe Guilhou, le filou. C'est lui qui tue. Quand je dis il tue, c'est que ce n'est pas lui qui tue avec ses mains, ce n'est pas sa personne. Mais ce sont ses agissements. Ce sont eux, puisqu'il est le représentant de la France, ce sont eux, c'est eux qui profitent de crime. Ce sont eux qui sont en train de vouloir imposer le système, la centralisation du pouvoir, le système jacobien, français. Ce sont eux qui l'ont transposé en Afrique. Que tout se décide à Yaoundé. Que tout doit être contrôlé au Cameroun. Même la fabrication de masques. Donc maintenant, même le Cameroun, même bientôt le caleçon. Mais le caleçon, on va demander qu'il faut que ça soit homologué par Atanga Nji, par le ministre. Il faut que ça soit homologué par le ministre. Le masque, on dit qu'il faut que ça soit homologué. Mais c'est quelle histoire ça? Pour faire le test du Covid, on dit qu'il faut que c'est dans un endroit. Donc quelqu'un qui a Koussiri va descendre à Yaoundé ou à Douala pour faire le test du Covid. Mais il faut, ça c'est un système prédateur. Pourquoi? Parce que le seul système centralisé, tellement que tout est centralisé, que les Français, il suffit seulement qu'ils partent voir le chef de la tête pour prendre les 90%. Ils auront un seul intermédiaire pour piller le Cameroun. Tout c'est ça la question. Ils auront un seul intermédiaire pour payer le Cameroun. Demain, déjà avec une fracture basée sur la langue, ils sont obligés d'avoir deux partenaires. Ça sera d'autant plus difficile. Et plus tard, avec le plan génial, le programme politique du MRC, qui est clairement des États fédéraux, il y aura autant de partenaires. Il y aura autant de partenaires. Et on sera beaucoup plus fort parce que chaque personne, chaque représentant de chaque zone qui ne seront pas des États tribaux, ce ne sera pas un regroupement par État tribal, tous ces différents représentants, dirigeants démocratiquement élus, vont discuter avec la France, chacun selon les intérêts de sa région, selon les intérêts de sa population. Mais c'est toute la question. Ce qui tue, c'est à celui à qui profite le crime. Qui profite du crime? Celui qui profite du crime, c'est la France. C'est la France. C'est la France. La France a émis un système. Et c'est la même chose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la France, si la France perd au Cameroun, ça peut se déporter en Centrafrique. Si la France perd au Cameroun, ça peut se déporter au Togo. Si la France perd au Cameroun, ça peut se déporter en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est l'enjeu qui se passe au NOSO. On a appelé, sous l'initiative d'un pays, membre permanent du Conseil de sécurité, on a appelé pour le premier vote, la première réflexion sur le Cameroun. Tous les pays membres du Conseil permanent, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui étaient absents de criminels. Qui était absent? Le criminel. Qui était absent? La France. Là, c'est la France. C'est la France qui orchestre tout. C'est la France qui paie les munitions. C'est la France qui conseille. C'est la France qui tue. Pourquoi la France a génocidé les Bamilékés? Ça ne fait pas. Alors qu'ils ont fait leur révolution, la révolution française. Ça, il y a bien longtemps. Ça ne fait pas, ça fait pas longtemps hein, qu'ils ont génocidé les Bassa et les Bamilékés. Ça ne fait pas longtemps. Mais pourquoi vous ils étaient déjà en démocratie. Pourquoi voulez-vous que ça change? Et maintenant, avec le NOSO, la France est plus faible. Ils seront plus prédateurs qu'avant. La France sera plus prédatrice qu'avant. Après le NOSO, il y a la calmie maintenant sur la scène internationale. Ils ont dépensé des milliards, Ils ont perdu la classe bourgeoise, financière, internationale, vorace. Ils ont beaucoup perdu dans cette guerre, dans cette guerre contre le Covid-19. Il va falloir rattraper tout ça. Ils ont tellement perdu que ils étaient capables de décaisser l'argent et de donner aux ménages pour que les ménages payent leurs biens pour continuer à alimenter le système d'enrichissement de la bourgeoisie mondiale. Cette bourgeoisie française, quand on dit la France, ce n'est pas la France, ce n'est pas le petit français, le petit breton, d'ailleurs qui veut aussi l'indépendance, qui est quelque part là-bas et qui élève ses brebis ou ses vaches ou whatever. Non, quand je parle de France, c'est l'institution française, c'est l'institution qui gratte de la bourgeoisie française, de l'impérialisme français. Ce sont eux, d'ailleurs les Gilets jaunes. D'ailleurs, les Gilets jaunes font ce qu'on appelle de la marche. Font de la marche. De la contestation. Pourquoi ils font de la marche? Ils font de la contestation. Ils font de la marche, de la contestation, tout simplement. Pourquoi? Parce que, mais eux-mêmes sont peut-être victimes. Ils sont des victimes à un degré un peu plus élevé que le nôtre. Ils sont victimes à un degré un peu plus élevé que le nôtre. Et donc, on comprend bien que même eux sont victimes de la prédation de l'élite française. Et c'est de l'élite française dont il est question. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui vient piller le Cameroun. Non, il vient piller. Pourquoi? Il y a Bolloré, il y a Camrail, il y a le port autonome de Douala, il y a les billes de bois, et consorts. Je voudrais, s'il vous plaît, il faudrait partager énormément. Je voudrais vérifier si... s'il vous plaît, il faudrait écrire ici. J'ai l'impression qu'on attaque le direct. Il faudrait me dire si... il faudrait envoyer éventuellement les cœurs. Il faudrait me dire si le direct continue à passer parce que j'ai l'impression que le direct est attaqué là. Il faudrait me dire si le direct est en train de passer là. Oui, apparemment on dirait que ça passe. Dites-moi si le direct passe, parce que c'est super important ce que je veux dire. C'est la France qui tue. C'est la France, c'est elle qui tue. Et je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi c'est la France qui tue. Et c'est un enjeu. L'enjeu n'est pas seulement au niveau du Cameroun. Ok, mais merci Godson. Ok, ça passe super. L'enjeu n'est pas seulement au niveau du Cameroun. Il faut pas rêver. L'enjeu au niveau va servir de jurisprudence pour d'autres pays africains. Tout est l'enjeu. Tout est l'enjeu. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait faire très, très attention. Ils peuvent tuer les Camerounais. Ils vont continuer à tuer parce qu'ils ne voudraient pas que ça se reproduise. Si Dieu pouvait couper les réseaux sociaux, mais couper la satellite qui sont sur satellite et donner le NOSO aux anglophones et que ça ne sortait pas hors de nos frontières, c'est qu'on pouvait être sauvé des Français. C'est qu'ils pouvaient encore accepter. Mais non, maintenant c'est un village planétaire. Quand ça va se passer, si ça réussit au Cameroun, les autres vont dire pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? La brigade anti-Sadina, par exemple, ils ont commencé à chasser leurs dirigeants. Mais la Côte d'Ivoire aussi a commencé à chasser aussi, à traquer leurs dirigeants en France, en Occident. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une convergence, il y a un principe d'immunisation, il y a un suivisme qui se passe, il y a une fédération d'idéologie qui se passe. Ce qui est bien ailleurs, on copie. Ce qui est bien ailleurs, on copie. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Donc, il ne faudrait pas se tromper. Qui tue au NOSO? C'est la France, c'est le philo. C'est le philo. Et il tue comment? Quand il tue comment? Il fournit. Il a la Libye. La Libye. Quand on dit la Libye, ce n'est pas le pays Libye qui est au nord de l'Afrique. Non. La Libye, c'est la Libye. C'est-à-dire le prétexte. Même le prétexte. Même pas le prétexte. En crime, on dit alibi parce que ça s'est déjà produit. Quand on fait la recherche de qui a tué ou qui n'a pas tué, on dit il a l'alibi. Quelle est la raison qu'il aurait à avoir pour commettre un tel crime? Mais la France a la raison. La raison, c'est quoi? C'est des ressources. C'est des ressources au Cameroun. Le Cameroun est leader. Le Cameroun va devenir autonome. Le Cameroun, le programme du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a une vision africaine, collégiale, participative. Maurice Kamto n'a pas hésité, par exemple, à féliciter Monseigneur, le prêtre qui a trouvé une alternative au traitement du vaccin. C'est une vision panafricaine. Maurice Kamto a tendu la main au président du Rwanda. Et le président du Rwanda a bien voulu accepter sa main pour que le président du Rwanda s'inspire de la vision panafricaine du professeur Maurice Kamto, pour s'améliorer, pour avoir une vision, une voie commune de l'Afrique. C'est ça qui fait peur à la France. C'est de ça dont il est question. La France a la Libye, mais quelle autre Libye? La Libye culturelle. N'oubliez pas que c'est une opposition de deux mondes. Il y a le monde francophone qui disparaît. Le monde de la centralisation, de la culture française, de l'influence française se perd à travers le monde. Les Français ne parlent même plus leur langue. La France existe pourquoi? La France existe parce qu'elle a eu ses colonies. Pour la petite histoire, après les guerres, lorsqu'on a voulu créer le droit international, le droit d'ingérence internationale, le leadership international, en octroyant les droits de veto, On s'est basé, on a donné un droit de veto à la France, c'était pas la France en tant qu'hexagone. Ben non, c'était la France en tant qu'influence mondiale, en tant que représentation d'un certain monde, d'une certaine vision du monde, compte tenu de ses acquis historiques. Mais c'est ces acquis historiques qu'elle perd actuellement. Si elle perd ses acquis historiques, elle perd son droit de veto. Le droit de veto, ce n'est pas l'arme nucléaire. Parce qu'Israël a l'arme nucléaire, le Pakistan a l'arme nucléaire. Elle perd, c'est son influence. En fait, sa force dans ce monde, c'est son influence. Et l'influence, son vecteur d'influence, c'est quoi? C'est nous. C'est nous. C'est notre cerveau qui est le vecteur d'influence. Nous transmettons de génération en génération la culture française. L'éternité française. C'est nous les sujets. Et c'est ça la clé. Ils ont la Libye. La Libye, c'est quoi? La Libye, c'est l'hégémonie, l'influence mondiale. Ils perdent en influence. Ils perdent en influence. Regardez le Rwanda. Le Rwanda a mis la langue française comme langue secondaire, a mis la langue, et n'a pas perdu plus d'un an, a envoyé tous ses enseignants en formation de langue anglaise pour bâtir leur pays comme ils ont là, pour s'instruire, pour se positionner comme leader de l'Afrique nouvelle. Elle a son mot à dire dans la vision du capitalisme mondial, petit pays comme le Rwanda. Elle a compris que le mécanisme français, le mécanisme de réflexion française, la langue française a déjà des vices dans sa structure. Vous savez ce que travail veut dire en langue française étymologiquement? On dit travail, le travail, je m'en vais travailler. Étymologiquement, en langue française, travail veut dire supplice. Ça veut dire supplice. Quand on dit supplice, ça veut dire quoi? Ça veut dire souffrance. C'est pour ça que le français ne veut pas travailler. Dans sa langue, dans le fond intérieur d'un français, travailler, c'est souffrir. Dans le fond intérieur d'un français, travailler, c'est souffrir. Quand je parle de français, c'est la culture française. Travailler, c'est souffrir. Alors que chez les Anglais, quand tu dis « work », de « job », « job », vous vous rappelez le fameux personnage. Le fameux personnage, si ça passe, vous écrivez « ça passe », s'il vous plaît, parce qu'on attaque le direct. Si ça passe, vous dites « ça passe ». Vous vous rappelez, et envoyez les cœurs éventuellement et partagez. Vous vous rappelez le personnage biblique qu'on appelait Job. Job, c'était celui que le diable avait tenté. Je vais vous raconter ça en 2 minutes, très très brièvement. Que le diable était avec Dieu, il parlait, et le diable a dit, ben, écoute, tous ces gens qui sont, tout ce monde terrestre là, ça m'appartient. Ça m'appartient, ils aiment tous l'argent, ils aiment tout, machin, truc. Parce que de toute façon, si tu ne venais pas leur donner l'argent, c'est que ils seront à moi. Même ceux à qui, si tu ne leur donnais pas l'argent, ceux qui sont à toi. Et que si tu ne leur donnais pas l'argent, ils seront à moi. Parce qu'ils auraient besoin de moi. Et Dieu a dit, ben, qu'est-ce que tu racontes? Ça, ce sont des sottises. Et le diable a dit non, c'est pas des sorciers. Par exemple, Job. Oh, Job, en ce moment, il s'est dit que c'était l'homme le plus riche du monde. En ce moment-là. Et Job avait quoi? Il avait des bergers, des brebis énormes, des bergers. Il était riche dans tous les biens de l'époque. Tous les biens marchands de valeur de l'époque. Et c'est comme ça que Dieu lui dit, ben écoute, tu as Job. Enlève-lui tous les biens du monde. Enlève-lui tous les biens du monde et tu verras. Tu verras qu'il ne te suivra pas. Le diable a dit, ah oui, si tu le crois, ok, défi relevé. Qu'est-ce que le diable a fait? Mais le diable a mis Job en faillite. Il a mis Job en faillite. Il a tué tous ses brebis, il a tué ses enfants, il a tué. À chaque fois qu'il revenait voir Dieu, Dieu lui disait non. Il disait à Dieu que non, c'est parce qu'il a encore ses enfants. Dieu dit que ok, mais ne touche pas à Job. Il massacre tout. Il revient et dit que non, c'est parce que lui, il est toujours beau, il est bien portant, machin. Il dit que ok, Dieu dit que ok, Tchad dispose de son corps, mais pas de sa vie. Il massacre encore. Il revient et dit que non, machin truc. Il a fait Job et est devenu maladif, avec les plaies de partout, toutes les maladies et tout et tout. Mais le gars, Job, il n'a pas renoncé à sa croyance, à la croyance en Dieu. Et Job veut dire quoi? Ça veut dire le travail, ça veut dire la persévérance, ça veut dire la foi, ça veut dire la vie. Job. I'm gonna do that shit, man. Je vais faire ce job. I'm going to the job. I'm going to do this job. C'est la foi, c'est l'espérance, c'est les perspectives de l'avenir. Walk, ça marche. Quelque chose marche. Walk, walk. Les Français, c'est une culture qui a servi. C'est une culture d'exploitation. Toutes les indépendances, toute l'histoire des indépendances dans le monde, partout, elle est la plus aboutie, sauf les colonies françaises. Pourquoi? Sauf les colonies françaises. Même Hong Kong, qui a été retrocédée seulement très récemment à la Chine, elle est super développée. Elle est super développée. Les villes de certaines villes du Pakistan et de l'Inde ont été retrocédées aux Indiens. Ils étaient développés le plus tardivement possible. Les Français, ça fait plus de 50, 60, 70 ans qu'ils nous ont donné l'indépendance. On est toujours où on est. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Regardez la Jamaïque. Il y a un problème. Regardez l'Afrique du Sud. Regardez l'état des démocraties en Afrique, des démocraties participatives. Comprenez que c'est l'influence française, ils ont quelque chose à perdre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas, we are not gonna do that shit anymore. On ne va plus faire leur travail à leur place. On ne va plus faire leur travail à leur place. Et c'est de ça dont il est question. Ils veulent piller les ressources. Les ressources de pétrole, c'est quoi? C'est en zone anglophone. Les Français, ils sont les pays, la France est comptée parmi les pays les plus producteurs de pétrole au monde. Alors qu'ils ne possèdent pas un seul puits de pétrole dans le monde entier. Comment ça se fait qu'ils sont les pays producteurs de pétrole? C'est tout simplement pourquoi? Parce que, mais cette France, avec le principe de la valeur ajoutée, cette France est allée au bord de tous les pays qu'ils avaient de l'influence. Ils ont mis le processus d'extraction pas de l'or, de l'or noir, on peut appeler ça du pétrole. Ils ont mis un ensemble de processus d'extraction de société en société, c'est-à-dire de l'extraction, du raffinage, du transport, et ainsi de suite, jusqu'à des degrés de raffinage pour que ça soit par exemple le gaz, ou bien ça soit du diesel ou de l'essence, et ainsi de suite, ou bien ainsi de suite. Toutes ces différentes structures qui vont jusqu'à la vente, même dans les stations, ce sont les entreprises françaises. Et quand on fait, et à chaque fois qu'on quitte d'une structure à une autre, il y a ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Si au départ, le litre de pétrole coûtait 50 francs quand on sort ça du sol, après, quand on transporte, les Français mettent 5 francs dessus, ça devient 55 francs, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, et finalement, les Français se trouvent à avoir 75% des ressources pétrolières de la majorité de tous ces pays collaboratrices, de tous ces pays collaborateurs. Parce que quoi? Parce que toutes les sociétés intermédiaires sont les sociétés françaises. Toutes les sociétés intermédiaires sont les sociétés françaises, dont les contrats sont les plus vieux au monde, dans les contextes, dans les conditions les plus extrêmes. Les plus extrêmes et les plus... qui font la part belle à la France. Et qui met les pays producteurs de pétrole, pour l'exemple du pétrole, en difficulté. Tout est la question. Les entreprises françaises, ils n'ont pas de volet social. Avant, le PMUC faisait au moins des semblants. Aujourd'hui, ils ne font plus de semblants. Ils ne font plus de semblants. Tout ce qui pire, ils ramènent. tout ce qui pays ramène. Dès la prise d'initiative autonome de Cameroon Survivor Cameroon Initiative, ben, Orange directement a coopéré avec le régime en place, c'est-à-dire bloquer les fonds de Cameroun Survivor. Pourquoi? Parce que ça, c'est la capacité du Cameroun à penser par lui-même. Lorsqu'on fait les plantes médicinales africaines, ça fait peur blanc. Pourquoi? Parce que c'est notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. Lorsque Sankara avait l'ambition de faire des voitures africaines, ça fait peur blanc, parce qu'on va d'amélioration en amélioration. Et c'est notre technologie, c'est notre originalité. On n'a pas besoin de suivre le blanc. On peut faire autre chose autrement. On peut utiliser une technique pour des déplacements qui n'a rien à voir avec les véhicules. Ça, ça perd aussi notre originalité. Et pour faire ça, il faudrait qu'on n'ait pas de l'influence extérieure. Il faut qu'on ne prenne pas la culture d'ailleurs. Il ne faut pas qu'on soit tellement acculturé au point de perdre sa propre culture. Et c'est l'enjeu. Et ça va faire jurisprudence. C'est pour ça qu'il est important pour la France. C'est vraiment une sécurité nationale française. Que le Cameroun, que la révolution qui a lieu au Cameroun ne se fasse pas. Je dis c'est une sécurité nationale. On dit que c'est haute sécurité. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le jeu. C'est pour ça que les anglophones, les Français ne vont jamais accepter qu'il y ait une résolution sur ces crises anglophones. C'est sauf le génocide. C'est sauf le génocide qui va sonner la fin de la création. Parce que les Français ne vont pas accepter porter ça sur leur conscience, dans leur histoire. Parce que ce sont des hypocrites. Pourtant, c'est chez eux que la déclaration, ils ont jeté pour les premières fois l'exceptionnelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Qui tue au NOSO, c'est celui à qui profite le crime. Mais qui donc? Le filou, Christophe Guilhou, la France, la classe bourgeoise française. Ils s'empiffrent de génération en génération. Ça, c'était le point le plus important de mon exposé. C'est pour ça que, pour ceux qui me suivaient sur Facebook, moi j'ai dit, laissez les militaires tranquilles. C'était une façon, c'était de l'humour. C'était de l'humour. Du l'humour noir. Évidemment, les militaires sont coupables en quelque chose. Mais le problème au niveau de la formation, il y a la formation et l'ordre qu'ils reçoivent. La formation est biaisée parce que les militaires, on les forme pour mater la population. On fait croire aux militaires que les militaires sont de la classe bourgeoise. Alors pourtant c'est faux. C'est les généraux, les officiers qui sont de la classe bourgeoise. Pour ceux qui veulent faire du mauvais travail, c'est ceux qui sont de la classe bourgeoise. Mais sinon, la grande majorité de l'armée, c'est de la classe prolétaire. Et ceux qui sont même dans l'armée, ces gens qui sont dans l'armée, qui ont même un bon salaire. Mais combien de personnes vivent derrière ces salaires? 50, 100 personnes. Il est le tonton à tout faire. Il dort dans les mauvais matelas, sur des mauvaises conditions, les moustiques. Il envoie le mandat à sa femme. Pour qu'il prenne soin de la famille. Ils contribuent dans les deuils alors qu'ils n'assistent même pas au deuil parce qu'ils servent le pays. Ils font des sacrifices énormes et on les miroite qu'ils sont avec la bourgeoisie, mais ils ne sont pas avec la bourgeoisie. Parce que Paul Biya, lui, il passait sa vie en Suisse. Sa fille prenait les taxis à 500 $, 3 km. On connaît Beverly, je connais Los Angeles. Je connais Los Angeles qui est ici à côté. Pour 15-30 minutes, dans le taxi, tu donnes 500 $. 500 $, c'est beaucoup d'argent. 500 $, c'est beaucoup d'argent. C'est 350 000. 350 000. À un taximan, pour 15 minutes de parcours. C'est tout simplement révoltant. Et donc, les militaires, ce n'est pas la classe bourgeoise. Les militaires sont des vaillantes personnes, des gens qui donnent leur vie pour la nation. Parce que personne ne sait ce qu'il y a de l'autre côté après la mort. De Dieu, c'est leur patrie. C'est un peu comme nos ancêtres, c'est leur patrie. Et ils servent. Parce qu'ils n'ont pas, les bases stratégiques de faire quoi que ce soit. Donc, ils obéissent aux ordres. Si leur formation est biaisée, la qualité de leur travail sera biaisée. Il va de soi. On ne doit pas en vouloir un militaire qui veut de la promotion sociale, d'obéir à son boss. Il y a très peu. Et généralement, quand on va dire bonne prestation sur le terrain, bonne mission, il y aura une augmentation. Or, bonne mission pour eux, c'est avoir obéi à l'ordre. Mais l'ordre, qui donne l'ordre? Mais l'ordre, ce sont les dirigeants politiques qui donnent l'ordre. Ils donnent l'ordre au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle l'unicité de commandement d'Henri Fayol. C'est-à-dire, il y a une cascade, d'ordre de mission qui arrive. Et à chaque fois, l'ordre de mission, Paul Biya, dans l'ordre de mission, Paul Biya ne va pas dire, tuer sur tout le monde, tirer sur tout le monde. Non, Paul Biya ne va pas dire ça. Parce qu'il ne connaît pas la technique, les techniques d'exécution, les techniques de mouvement. Qu'est-ce que Paul Biya va dire? Paul Biya va dire que il est impératif que ce résultat-ci soit atteint. Il est impératif que ce résultat-ci soit atteint. Mais évidemment, le résultat qu'il dit, c'est un résultat qui est évidemment impossible si on respecte les règles. Et il le sait. Donc, implicitement, il demande de tuer autant que faire se peut pour avoir ce résultat. Et c'est comme ça que l'ordre de mission descend en cascade. Et c'est-à-dire que l'ordre de mission est stratégique. Et c'est un plan de route, c'est un objectif, c'est un target. Et maintenant, au fur et à mesure, il faut que ce target, il faut qu'on décortique. Pour expliquer, on décortique, au fur et à mesure, chacun décortique. Et finalement, un général prend, il donne à un autre, qui est peut-être que le lieutenant. Le général va donner, le général va dire que quoi? Le général va dire que bon, il faut arriver par la côte Est avec un bataillon de 400 soldats parce que tu prends aussi un autre bataillon. Il dit apparemment un autre colonel de l'autre côté ou un commandant de l'autre côté que bon, toi tu vas venir par la côte nord-est, latitude est. Tu vas cibler par les montagnes. Il demande à l'armée de l'air que je veux un renseignement aérien à l'espace de deux jours sur les zones X, Y, Z, machin truc. Et il faut neutraliser ici, machin truc. Et ainsi de suite. C'est comme ça que finalement, on arrive au niveau des chefs de bataillon. Et on arrive au niveau des chefs de bataillon. Et donc, ces chefs de bataillon n'ont pas les ordres aussi n'ont pas les mêmes ordres que le général qui a donné au colonel, au commandant. Les chefs de bataillon s'appellent que le lieutenant, s'appellent que le sergent-chef, le lieutenant, s'appelle que le lieutenant, le sous-lieutenant, ou le capitaine. Et ce capitaine, c'est lui qui est plus proche du terrain, c'est lui qui est dans le maniement de l'arme, c'est lui qui est machin truc. Il voit le plan d'intrusion, il lit le plan, il lit les plans, il oriente les troupes, et il donne les armes, il donne les cibles, et pour les objectifs qu'on lui a donnés, parce que chacun donne les objectifs, et pour les objectifs qu'on lui a donnés, on dit que, hey, toi, et lui, qu'il arrive, on lui donne les objectifs. Les objectifs, c'est comme en frère, on te dit qu'il faut ratisser ou dératiser. Mais est-ce qu'il faut faire l'école pour savoir que quand on dit dératiser, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on met on met les pièges partout. On met le piège à rat. Celui qui mange, si l'humain mange, il meurt. Si le rat mange, il meurt. Tout, il ne doit rien avoir. Et donc, c'est comme ça qu'ils mettent aussi leur stratégie quand ils arrivent sur place. Et comme aussi, ils ne sont pas professionnels, c'est-à-dire, ce n'est pas une armée professionnelle. Quand ils disent qu'ils ne sont pas professionnels, effectivement, ils sont professionnels parce qu'ils ont fait une formation, ils sont payés pour ce qu'ils font. Ils ne savent que faire ça, c'est-à-dire tuer en utilisant des techniques et des armes particulières. Et chacun dans sa spécificité d'armes. Et donc, c'est-à-dire qu'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont aussi leur ordre de mission. Leur ordre de mission leur met directement en contact avec la cible. Et chacun, de façon singleton, si chacun se met à tuer seulement 5, 6, 10 personnes, mais et au fur et à mesure, ça va prendre de l'ampleur, et ça va devenir un génocide. Et comme eux, ils veulent vivre, et comme ils n'ont pas suffisamment d'équipement, les gilets pare-balles sont vieux et consorts, Les gilets pare-balles sont vieux, ça ne tient plus trop. Et on leur demande de ne même pas aller trop sur le champ de bataille avec les armes lourdes, puisque ça va montrer que vraiment c'est un carnage qu'on veut faire parce que apparemment ou bien hypothétiquement, l'adversaire, c'est-à-dire les ambazoniens, n'ont pas encore les armes lourdes. Donc c'est-à-dire qu'il vient comme ça, il dit que hey, un moment, et lui-même peut-être qu'il est peureux, donc il tire à vue. Il tue à vue, il tue pour tuer, et il tue, il veut tuer. Et que même après la tuerie, il continue à tuer. Ça veut dire quoi? Même après la tuerie, il continue à tuer. Ça, c'est ce qu'on appelle des seconds crimes de guerre, les crimes froids de guerre. C'est-à-dire qu'ils créent de l'horreur. L'horreur va devenir l'âme, même après. C'est-à-dire que même après, les gens meurent. Même après qu'ils soient partis finalement, ceux qu'ils auront tués, ils auront tué. Et ceux qui vont rester vont toujours mourir. C'est pour ça qu'ils détruisent. Ils détruisent les forêts, ils détruisent les champs, ils détruisent les machins trucs, ils détruisent les maisons, ils détruisent les stores de médicaments, ils détruisent la boutique du coin, et ainsi de suite. Et non seulement comme ça, quand ils partent, il y a du traumatisme. Ils ont coupé les têtes, ils ont mis sur les bachins, ils ont fait ceci... C'est la guerre, ils se disent qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'inconnus, c'est la guerre, machin, et avec le sentiment qu'il y a une rivalité intergroupe d'ambazoniens, le crime sera un peu caché, masqué, quoi. Et donc c'est comme ça, donc il fait son rapport à son supérieur, le supérieur prend le rapport, mais le rapport est excellent. Sur un point de vue militaire, le rapport est excellent. Maintenant, le problème c'est les civils. C'est les civils. Ceux qui ont donné l'instruction, ces civils-là, c'est aux civils-là, c'est à ces civils, ces dirigeants politiques, de vérifier que la contrainte a été respectée et de questionner ces contraintes au plus haut niveau. Normalement, si la formation est bien faite, c'est que chaque commandant, puisque il y a ce qu'on appelle l'éthique de guerre, il y a l'éthique de guerre et chaque officier est responsable pénalement à la CPI. Rien que ça, s'il vous plaît, à la CPI des crimes de guerre. Et donc, normalement, si la formation était bien faite, c'est qu'à chaque niveau, ils devaient checker pour voir si effectivement, ils ont respecté, ils ont fait un travail et ils n'ont pas triché, c'est-à-dire, ils n'ont pas produit de la valeur en détruisant de la valeur. Tu as produit de la valeur en détruisant beaucoup de la valeur. Tu protèges les gens en tuant les gens. Finalement, tu as voulu tuer certains anglophones qui n'avaient pas de problème. Tu as voulu protéger certains anglophones qui n'avaient pas de problème en tuant d'autres. Mais en fait, finalement, tu as mélangé tout le monde et tu les as tués. Mais en fait, tu ne connais pas très bien à quoi c'est finalement ce qu'on appelle une armée. Et c'est tout où il y a le problème. Tant qu'on va continuer de fait à s'acharner seulement sur les militaires, sans jamais regarder l'ordre de mission, l'ordre politique qui a donné. Paul Biya, quand il est sorti d'avion, il a demandé « Je déclare la guerre ». Quels étaient les objectifs de la guerre? Quelles étaient les cibles visées? Quels sont les rapports? Quels sont les rapports qui remontent du terrain? Est-ce qu'il y a eu les enquêtes et consorts? Donc, tout est la question. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans l'émotion de commencer à vouloir incriminer l'arme qui tue. Incriminer le soldat qui tient et ne pas regarder les ordres de mission. Tout ça, ça se documente. Tout ça, ça se documente. Un officier devrait prendre le téléphone, filmer son ordre de mission, garder au cas où. Il va tuer, il sera condamné pénalement. Mais, la peine sera allégée s'il a quand même eu l'ordre de mission. La peine sera allégée s'il peut prouver que l'ordre ne venait pas de lui. Sa peine se peut être tout simplement oubliée, bien inhibée. Tout simplement parce qu'on aura aussi besoin de ces militaires pour continuer à assurer l'ordre au Cameroun. Mais ces militaires-là, il faudrait qu'ils puissent prouver qu'ils n'ont pas fait ça de leur propre chef. C'est où il va falloir pointer le doigt sur des civils, des responsables politiques civils. Parce que ce sont eux qui sont les premiers responsables. Jusqu'au chef suprême des forces armées. Donc toute la hiérarchie de commandement militaire jusqu'à paramilitaire, parce qu'il y a des autorités, il y a des civils qui travaillent comme des militaires, c'est-à-dire ainsi de suite, jusqu'à même des civils politiques, c'est-à-dire jusqu'à la personne de Paul Biya. Tout ça, il va falloir questionner. Mais Paul Biya, il est sûr qu'il a un parapluie qui est la France. est un parapluie qui est la France. Et tant que la France veut que les Ambazoniens ne gagnent pas cette guerre, il n'est pas de l'intérêt de la France de jeter en pâture ses dirigeants politiques. Paul Biya est suffisamment malin pour savoir ce que la France veut et ce que la France aime. Atanga Nji est suffisamment malin pour savoir ce que Paul Biya aime, ce qu'il aurait aimé. Atanga Nji n'a pas besoin d'attendre l'ordre de Paul Biya. On connaît comment ça se passe. Jean de Dieu Momo n'a pas besoin de savoir ce que Paul Biya pense. Lui, il sait ce que Paul Biya pense. Déjà. Et il sait ce que Paul Biya va aimer. S'il dit telle chose ou plutôt que telle autre chose. Tout ça, ça se sait. C'est pour dire que franchement, il ne faudrait pas qu'on entre au catio, le militaire, si on va le... Non. Le problème est au niveau beaucoup plus macro. Le problème est au niveau beaucoup plus macro. Si les politiques disent qu'on arrête la guerre sera finie même demain. Si les politiques disent qu'on continue la guerre, tant qu'on va donner les munitions, tant qu'on va donner les ordres de mission, la guerre va continuer parce que ce sont des professionnels. Les militaires sont des professionnels, ils vont faire leur job. Qu'ils soient écrits par une ministre ou pas, ils feront leur job. Et donc voilà, c'est pour dire que c'est pour ça que j'ai fait exprès de porter quand même le drapeau Cameroun, pour dire que ne regardons pas forcément tous les militaires comme des gens qui sont contre l'État du Cameroun, mais... Ils sont finalement comme nous, mais ils ne savent pas, on leur a fait croire qu'ils étaient des privilégiés. Ils ont leur salaire en premier, ils ont des primes exceptionnelles. Un gars qui n'a même pas le CEP se retrouve à avoir 400 000, 450 000 au mois. Alors que quelqu'un qui est un enseignant d'université, un médecin, il n'a même pas 250 000 au mois. Pourquoi il ne va pas penser que ce sont tout simplement des mercenaires? C'est tout simplement des mercenaires. Et donc voilà, ça c'est un peu... ce que c'est la deuxième et dernière partie de mon la troisième et dernière partie de mon exposé disait et moi je vais partir au niveau de la conclusion qui sera super rapide. La conclusion c'était que quoi? C'était que finalement j'ai commencé par le premier ticket qui était la réflexion sur le chassement, 2 points autopsie d'une révolution infiltrée. C'était tout simplement de dire qu'en fait, on a besoin aussi des infiltrés parce que les infiltrés permettent de faire qu'on monte en stratégie, on monte en gamme, on essaie de surdimensionner la révolution pour compenser la traîtrise. Pour compenser la traîtrise. Les infiltrés nous permettent d'être meilleurs. Que si tu attaches 2 poids sur tes pieds, et que tu commences à sauter, ça veut dire que les poids que tu attaches sur tes pieds et que tu veux sauter, si finalement ces poids sont là, il faut, et que tu sais qu'il y a ces poids, ben tu vas sauter avec beaucoup plus d'énergie. Le jour que ces poids sont peut-être distraits et ne sont pas sur tes pieds, ben tu vas sauter beaucoup plus haut. Et donc, les infiltrés ont leur part. J'ai distingué les infiltrés du milieu, c'est-à-dire les infiltrés qui n'ont pas de personnalité, ils sont dubitatifs, ils sont changeants, ils ne peuvent pas frapper fort sur Paul Biya, ils ne peuvent pas frapper fort sur Maurice Kamto, ils sont seulement là, un ja, ils sont toujours machin, truc là, ils ne veulent pas prendre beaucoup de risques, certains disent que je veux encore Cameroun, et ainsi de suite, donc, mais ils veulent quand même exister sur la toile comme les écrits des influenceurs, ça c'est les infiltrés que moi je dis qu'ils ne sont pas si importants que ça, et ils ne sont pas si importants que ça parce que de toute façon, ils n'ont pas de personnalité, ils n'auront pas un grand impact. Ils ne seront pas des leaders de toute façon. Il y a des infiltrés, par exemple, des infiltrés de l'extrême droite ou l'extrême gauche. Surtout de l'extrême gauche, parce que je parle comme ça du côté de la droite de la révolution, du chassement, de la tontine. L'extrême gauche, c'est là le plus dangereux parce que généralement, ce sont les leaders et rapidement, ils peuvent se retrouver plutôt du côté des sardinards, du côté des reptiliens. Pourquoi? Parce que cette droite finalement n'est qu'un cercle. Donc il faut faire super très attention avec eux parce qu'ils font des retournements de veste. Mais il ne faut pas avoir peur des infiltrés. Je vous ai dit, les infiltrés, ça nous permet d'être vraiment meilleurs. On ne prend pas un bain avant d'aller à la chasse. On part à la chasse avec toute sa puanteur. Et parfois, ça nous aide. Ça peut nous aider. À masquer nos odeurs lorsque la bête va nous observer, ça peut nous servir de camouflage. ça peut nous servir de camouflage. Donc il faut faire super attention parce que l'ennemi ne tire pas forcément dans une foule dans laquelle il sait qu'il a ses alliés qui sont infiltrés à l'intérieur. Donc il faudrait qu'on fasse attention avec ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on laisse ce débat et on continue le combat. Parce que, enfin, pour tous ceux qui se disent combattants. J'ai parlé de Jean de Dieu Momo. J'ai dit que Jean de Dieu Momo, ça c'était une roubladise vraiment très très stratégique si c'était avéré. Parce que Jean de Dieu Momo, c'est l'exemple de quelqu'un qui peut faire un retournement de veste, c'est-à-dire à 180 degrés, c'est-à-dire par gauche, finalement, il se retrouve à droite carrément. Et donc, Jean de Dieu Momo, lui, il a utilisé, il est vomi partout. Il fait le consensus. Il fait le consensus sur sa dilapidation, aussi bien du côté des sardinards que du côté des tontinards, même du côté de la communauté internationale qui va finalement venir jouer la bite. Donc c'est quelqu'un qu'on va mettre en holocauste. Et il le sait. Il a voulu donc, en utilisant des structures, c'est ça qui est regrettable, les structures du chassement, c'est-à-dire la visibilité communicationnelle de la révolution via une très courageuse Amazone, très dévouée d'ailleurs. Lui, il a réussi puisqu'il est interdit d'abord de médias au Cameroun, il est interdit de réseaux sociaux, il est dans une prison physique et dans une prison virtuelle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais il a réussi à passer entre les brèches, trouver une astuce pour faire parler de lui, sans pour autant dire que c'est lui. Et il a réussi, il a fait du buzz, et c'est-à-dire il a même éclipsé finalement le Covid-19, il a éclipsé les cotisations, il a éclipsé l'idéologie du sachement, il a éclipsé Maurice Kamto. Donc il faut que, et ça c'était la deuxième partie de mon direct qui disait qu'il faut faire super très très attention. En fait, cette partie-là, c'est un cas pratique de la première partie qui était en fait l'autopsie d'une révolution infiltrée. Et là, j'ai parlé maintenant des militaires qui tuent. Je vous ai dit que ceux qui tuent au NOSO, c'est celui à qui profitait le crime. Et celui à qui profite le crime, c'était la France. Et cette France, elle a la Libye. Elle a la Libye. Et la Libye, cette Libye est sur différents ordres. Le premier, c'est son influence. Parce que c'est son influence qui lui a donné toute la richesse de ce monde. C'est son influence, elle a eu le droit de veto tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle s'est portée garante comme la représentante de grandes vastes de populations, des grandes vastes parties de terre dans ce monde. C'est pour ça qu'on lui a donné. On ne devait pas lui donner. On ne devait pas lui donner. Parce que les Russes, c'est les Russes qui ont demandé qu'on donne à la France. C'est les Russes qui ont demandé qu'on donne en France pour un peu faire le contrepoids. C'était pas parce qu'ils aimaient la France. C'est parce qu'ils voulaient se mettre à une position où ils devaient faire le contrepoids pour que ça ne soit pas forcément une confrontation russe-États-Unis. Et la Chine, elle s'est invitée. Pourquoi? Parce que tout simplement la Chine, elle c'était pas la Chine, c'était Tchang Kaï-chek. C'était la Chine de Tchang Kaï-chek. C'était en fait l'actuel Taïwan. C'était Taïwan. Après la guerre, Mao Tse-tung a repris le droit de veto après la défaite de Chiang Kai-shek. Lorsqu'il fuit pour aller et il use de fait, la Chine use de fait, c'est le droit de veto. Et donc la France a eu son droit de veto sur la base de son influence dans les colonies, sur la base de son influence mondiale. Et elle perd en influence. Elle sait qu'elle perd en influence. Le place dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas l'arme nucléaire. Le Pakistan a l'arme nucléaire, Israël a l'arme nucléaire, et il y a beaucoup d'autres qui veulent en avoir. Mais ce n'est pas l'arme nucléaire, ce n'est pas son impact économique. L'Allemagne est la première puissance européenne économique, mais elle n'est pas sur la table de négociation. Elle n'est pas dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Canada est une grande puissance économique, mais elle n'est pas. Donc, il faut faire attention. Et cette influence est aussi culturelle. C'est pour dire que la France a des alibis. Des alibis forts, puissants. C'est aussi culturel parce qu'il y a la langue française qui est dans la tête. Dans cette langue française, elle vend sa culture. L'avenue des Élysées, des Champs-Élysées, ça fait penser à tout ce qui est chic et tout ce qui est wow. Il y a la Tour Eiffel, c'est l'amour. Il y a la langue française. Tout le monde s'essaie de parler parce qu'elle est quand même un peu émiettée partout dans le monde. Or, avec l'exemple du Rwanda, la France ne veut plus reproduire cet exemple en Afrique. Ne veut plus reproduire jamais cet exemple en Afrique. Il faut bien comprendre que c'est pour ça que les plus grands dirigeants du Cameroun, ça cause aucun problème à la France qui ne soit pas bilingue. Hein, s'il te plaît. Et bien au contraire, si tu es bilingue, tu es suspect aux yeux de la France. Si tu es bilingue, tu es suspect. Ça veut dire que tu t'es donné vraiment de la peine à étudier cette langue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu n'es vraiment pas un reptilien, de chez reptilien. Donc, il faut, quand on voit par exemple la pavane Christ, Jacques Famine Dongo, ben, c'est pas ici, c'est un être intelligent. Mais il a fait exprès de se reptiliser. Pour montrer sa loyauté au système. Il a compris le système français. Et donc, je vous ai dit que le travail, si tu prends le mécanisme de réflexion français, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème dans la capacité à travailler, à être fier de travailler, à être fier de produire de la valeur. Je vous ai montré que le travail, en fait, en français, voulait dire supplice. Et que la supplice voulait dire souffrance. Et donc, quand il se lève pour travailler, il pleure, c'est en fait des pleurs. Alors que chez les anglo-saxons, ça veut dire la vie. Chez les pays scandinaves, les pays comme le Danemark, la Suède, la Norvège, mais c'est des pays totalement extraordinaires en termes de qualité de vie. En termes d'indice de bonheur dans le monde. Le Danemark est le premier pays d'indice de bonheur dans le monde. C'est parce qu'ils ont une culture de vikings, une culture qui est profondément ancrée dans d'abord la liberté de soi, la dignité. Et donc, c'est ça en fait. La France a aussi maintenant les alibis quoi. Ils ont aussi un alibi économique. Ils ont l'alibi économique qui voudrait que quoi? Qui voudrait qu'ils exploitent les ressources, pas non seulement humaines, mais surtout les ressources naturelles. Or, ces ressources naturelles sont NOSO. Donc, et les NOSO, les gens du NOSO, du moins une partie, s'est rebellée. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt en France de se laisser faire. Et maintenant, il y a l'intérêt géostratégique qui est incompris dans l'intérêt global d'influence, qui est géostratégique, parce que ça risque, il peut avoir une jurisprudence de guerre, il peut avoir une jurisprudence d'influence. Donc, la France, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils se sont même permis de couper les réseaux Internet dans les zones du NOSO. C'est que, sauf que ça a permis à accélérer plutôt le conflit. Ils se sont visés une balle dans la tête parce que le NOSO, c'est un poumon économique pour le Cameroun. Avec la CDC qui est le premier recruteur de l'État, ils sont tombés en faillite. Avec l'influence du Cameroun a énormément baissé. Même dans la sous-région, on ne peut pas exporter les bananes au Gabon. Mais le Gabon va dire que fichez-moi de camp et tout et tout. Donc c'est pour dire que parce qu'on n'y a plus de Cameroun, n'est plus de nourriture, on est en faillite totale. Ça va faire l'objet d'un autre exposé. Et donc, c'est-à-dire que cette jurisprudence-là, la France ne sait pas comment la gérer en fait. Et donc, elle va essayer de faire en sorte que l'histoire retienne que les anglophones ont perdu le bras de fer. Et donc, il n'est pas de l'intérêt du Cameroun que les militaires gagnent. Il n'est pas de l'intérêt du futur du Cameroun que les militaires, en tout cas, que le système qui a initié cette guerre puisse la gagner. Non, il ne faudrait jamais que ça arrive. Ça, c'est les conclusions de cet exposé. Et en réalité, finalement, les militaires n'est que le bras armé, n'est que finalement l'arme du crime. Et là, les militaires, en fait, c'est l'arme du crime. Parce que eux, tu leur dis, il faut créer une société. Une société pour une société gré les trucs. Il y a le génie civil dans les militaires. Ici, aux États-Unis, les militaires sont les premiers lorsqu'il y a un risque de mort. S'il y a une fuite de gaz quelque part, c'est les militaires, parce que eux, ils ont dédié leur vie pour mourir. Ils se sont préparés dans les conditions comme ça. Ils doivent mourir pour leur patrie. Ils ont été formés pour ça. Et ils sont valorisés à juste titre pour ça. Et donc, finalement, les militaires ne sont qu'un outil. Si on leur dit monte, ils montent. On dit descend, ils descendent. Il y a l'hôpital militaire, même au Cameroun. Au départ, en Égypte, par exemple, c'est un pays qui est très militarisé. Mais les militaires, ils ont utilisé leur armée pour finalement servir le peuple. C'est-à-dire les plus grandes sociétés mondiales égyptiennes. Ce sont les militaires qui gèrent, les sociétés qui appartiennent aux militaires, les fleurons de l'industrie égyptienne qui ont envoyé même les médecins et de l'aide médicale aux États-Unis. Ce sont des militaires. Il y a plein de pays comme ça. C'est-à-dire que le militaire, c'est quelqu'un qui peut faire l'un ou l'autre. Donc, c'est juste un outil. Il faut savoir que c'est vraiment ceux qui décident, c'est les criminels, c'est ceux qui donnent les ordres. Ce sont ceux qui donnent les ordres. Ce sont eux qui doivent aller à ces pays. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne voit pas beaucoup d'officiers à la CPI. C'est généralement de quoi les dirigeants politiques. Donc, c'était pour ça que je faisais ce direct. Et voilà, merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine. Je ne sais pas, je vais mettre une musique pour... Merci. Salut, Général Jacques Tuana. Donc, je vais mettre comme ça une musique pour qu'on se sépare. Et voilà quoi. Et c'était vraiment un plaisir de faire ce direct. Et j'espère que ça a été édifiant. Mais on a partagé que les gens s'appréhendent de ces concepts. Et voilà quoi.